Elle a dû partir en laissant ses enfants et sa famille. Tout le soutien qu'elle pouvait avoir était là-bas. Il faut savoir que d'abord, une famille extraordinaire derrière elle, mais qui ne pouvait pas venir non plus. Il y avait des problèmes de visa. Enfin, ça a été extrêmement compliqué. Et malgré tout ça, eh bien, d'abord, a eu le courage de passer des diplômes parce que son diplôme de médecin n'était pas reconnu en France. Elle a fait un diplôme de recherche clinique, elle a fait aussi un diplôme de patient expert et de façon à vraiment contribuer de façon formidable dans des instituts comme l'Institut Gustave Roussy, dans l'hôpital de Versailles, de Poissy. Enfin, vraiment, elle a été extraordinaire. Et je tiens aussi à dire qu'elle avait un projet vraiment formidable que nous avions appelé ASCA, c'est Afrique Solidarité contre le cancer, parce qu'elle voulait faire en sorte qu'il y ait un centre de référence qui existe en Afrique pour que les personnes ne vivent pas la douleur qu'elle a eue de partir et qu'il y ait une collaboration avec des centres experts en France et en Afrique pour que les gens puissent être soignés là-bas. Voilà, donc c'était vraiment, je dirais, voilà, je tenais vraiment à lui rendre hommage. Elle nous manque beaucoup, elle me manque énormément. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup, Colette. Cyril, voudrais-tu rajouter quelque chose, s'il te plaît? Alors, moi, j'ai rencontré Daba deux fois chez Colette, et c'était au moment où je commençais à intervenir dans mon réseau cancer colorectal, et en discutant avec elle et en racontant ce qui se passait dans mon réseau cancer colorectal, on s'est dit que ça serait bien de créer un pont justement sur l'Afrique pour aider l'Afrique francophone. Et avec Colette et Daba ont eu l'idée de monter l'Union des stomisés d'Afrique francophone. Et on a créé donc ce pont humanitaire, sanitaire, qui a tenu pendant plusieurs années. Donc on récupérait du matériel de stomie, essentiellement digestive, au sein de patients qui étaient remis en continuité, au sein de familles qui avaient perdu leur être aimé, mais à qui restait du matériel, au sein de centres de soins, et on les envoyait. Et franchement, c'est grâce à elle et toute l'énergie qu'elle avait, et cette connexion France-Afrique qu'elle avait, et qu'on a pu aider tant de personnes en Afrique. Malheureusement, là, pour l'instant, on a des petits soucis pour continuer l'action, mais on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour continuer cette action vis-à-vis des personnes vivant en Afrique francophone qui ont besoin de ça, et pour garder la mémoire de Daba sur ce sujet-là. Et dernièrement, Daba, la dernière fois que je l'ai vue, en fait, je l'avais invitée. Elle était membre de mon jury de patients partenaires. Donc, quand j'ai passé le diplôme, c'est elle qui m'a validé, qui m'a adoubé, donc dans cette fonction qui est patient partenaire. Donc, je pense beaucoup à Daba. Bon, merci beaucoup à tous les deux pour ce vibrant hommage. Elle nous manque à tous. Donc, continuons notre œuvre tous ensemble et portons là-bas et tout ce qu'elle a fait et d'autres personnes qui sont à ses côtés, qui étaient à ses côtés. On va ouvrir la table ronde schéma corporel, image de soi. Donc, on va ouvrir par le Québec. Chantal et Camille après, pourriez-vous vous présenter entre 4-5 minutes, comme ça on va laisser du temps aux échanges. Merci beaucoup Chantal, à vous. Oui, moi c'est Chantal Chrétien, je suis infirmière clinicienne stomothérapeute, mais aussi stomisée depuis décembre 2010. Donc moi, suite à une colite ulcéreuse qui a duré pendant 2 ans seulement, mais qui était quand même très intense, j'ai pas le choix de subir la chirurgie. Ça s'est somme toute bien passé au niveau de l'adaptation. Moi, en fait, ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est d'être obligée de me lever la nuit pour aller vider mon sac. Mais sinon,
C'est vraiment, tu sais, j'ai pas eu de complications, rien, là. Fait que, c'est ça. Pour moi, ce qui est important, c'était de garder la vie simple, puis de continuer ma vie comme avant le plus possible. J'ai pas eu besoin d'aller chercher, vraiment de l'aide au niveau de réseau, comme les personnes stomisées. En fait, je les connaissais pas, mais tu sais, j'ai pas eu le besoin. J'avais un cousin qui avait déjà été opéré pour la même chose que moi. Puis tu sais, j'ai pas eu le besoin non plus d'aller en discuter avec lui. Moi, c'est vraiment ma famille, mes neveux, mes nièces qui étaient jeunes à cette époque-là que, tu sais, un enfant, là, ça discute ouvertement, ça juge pas, puis ça va voir le côté positif des choses. Fait que c'est vraiment ma famille immédiate, là, qui m'a aidée plus à accepter. Puis le processus de deuil, c'est vraiment déroulé sur un an, tu sais, toutes les adaptations à quand on recommence à travailler, quand on recommence à aller prendre une marche en montagne, tu sais, toutes ces premières fois-là avec une stomie. Fait que c'est ça, c'est à peu près sur un an que ça s'est échelonné. Maintenant, ben, j'essaie d'en faire une force. Fait que, tu sais, j'ai fait mon cours de stomothérapie, j'ai terminé en 2016. Pour justement, moi, il n'y avait pas de ressources là-dedans dans ma région. Fait que pour pouvoir aider plus de gens possible. Maintenant, je travaille au Cégep de Thetford Mines dans le département des soins infirmiers. Donc, je suis capable d'accompagner les étudiants qui vont être les futurs infirmiers, infirmières, qui vont faire des soins d'ostomie chez nous, ici à l'hôpital de Thetford. Donc, j'essaie de bien les coacher pour favoriser justement l'adaptation du patient nouvellement stomisé. Puis j'en parlais justement avec un étudiant ce matin. Tu sais, quand c'est ta première expérience à l'hôpital, on veut que ce soit une belle expérience parce que le patient garde ça en tête, puis il pense que, tu sais, s'il y a quelque chose qui va mal, que ça va rester comme ça à la maison, puis que, tu sais, ça va être difficile pour lui de gérer tout ça. Fait que on essaye de donner confiance à nos étudiants pour qu'ils donnent confiance aux patients. Ton micro, Myriam, on t'entend C'est bon, j'ai lu sur tes lèvres. Merci, Jacques. Camille, c'est à toi. Oui, bonjour, moi c'est Camille. J'ai aussi une maladie inflammatoire de l'intestin, donc une maladie de Crohn depuis l'âge de 20 ans. J'en ai maintenant 34. Je suis stomisée depuis 2020, de 2021, depuis 2021, oui. J'ai un parcours un petit peu différent du précédent, là, de ce que tu as raconté. Moi, dans le fond, on m'a parlé une première fois de la stomie 3 ans avant que j'aie finalement la chirurgie. Parce que j'ai un Crohn très complexe et fistulisant. Puis je me souviens que la première fois qu'on m'en a parlé, je voyais ça comme la fin du monde. Vraiment, ça, pour moi, ça a été un choc. J'osais à peine faire des recherches. Je comprenais pas c'était quoi. Je pensais que j'aurais un tube qui allait sortir de mon ventre. Je me souviens même, puis j'ai déjà conté cette anecdote à Jacques et son équipe, là, que j'avais tellement peur de cette chirurgie, je m'étais fait une playlist que je voulais donner au chirurgien en me disant s'il connaît un peu mon âme et qui je suis, peut-être qu'il va faire un effort supplémentaire, puis peut-être que ça va bien se passer. Ma mère m'a dit que c'est pas comme ça que ça se passait. Donc, il n'y a pas eu de liste de lecture. Je l'ai toujours dans mon téléphone, elle s'appelle Le Sac. Super playlist. Mais bref, 3 ans pendant lesquels, chaque fois que mon médecin m'a parlé d'une potentielle chirurgie, puis du fait que ça allait abréger mes souffrances parce que j'étais vraiment en douleur constante pendant toutes ces années-là, je voulais rien savoir. Puis à un moment donné, ben, j'ai atteint ma limite. Puis je me souviens d'avoir demandé moi-même à rencontrer le chirurgien à qui il m'a demandé ce à quoi je m'attendais de cette opération. Puis je lui ai dit, moi, je veux plus jamais faire caca. Quand il m'a dit qu'il trouvait ça drastique, j'ai dit, ben, d'abord, vous comprenez pas. Parce que moi, c'est 12, 15, 20 fois par jour et j'ai un haut-le-cœur de douleur à chaque fois. J'ai des sueurs froides, je sortais plus de chez moi, je portais une couche d'incontinence quand je le faisais. Puis je suis une personne qui a toujours été très active, je faisais du sport, j'avais une vie sexuelle épanouie, j'avais un amoureux, tout ça. Puis j'ai tout perdu ça dans les dernières années de la maladie.
Et quand je me suis réveillée de ma chirurgie, ben pour moi, ça a été un soulagement. J'ai pleuré de joie. Je parlais à mon bourgeon comme si c'était un bébé naissant, là, dans le sens où je l'ai rapidement nommé. Ça a beaucoup aidé ma relation avec les changements, parce que comme tu l'as mentionné précédemment, moi aussi me réveiller la nuit, c'était, ben, avant je me réveillais pour aller à la salle de bain, là je me réveillais par peur que mon sac déborde, donc les anxiétés qui en suivent et tout ça. Mais malgré tout, je dois dire que pour moi, ça a été un soulagement. Une chute de mon anxiété, parce qu'on aurait dit que tout à coup j'avais un outil qui était plus facile à gérer que ma maladie qui était imprévisible. Puis c'est drôle parce que j'ai aussi parlé avec mon infirmière stomothérapeute par la suite, parce que je leur ai dit, dans tous les dépliants qu'on nous remettait, on nous parlait des potentielles baisses d'estime de soi, de dépression, de tous les aspects négatifs. Mais chez moi, ça a été le contraire. Puis je sais que mon parcours est différent d'une personne, par exemple, qui a un cancer, qui se réveille du jour au lendemain avec un sac. Mais dans mon cas, ça a amené une hausse de l'estime de moi, une baisse de mon anxiété, malgré le fait qu'après la première chirurgie, ça n'a pas été un succès, j'ai dû en avoir une seconde. Pour moi, ça a été vraiment bien vu, puis je pense que ça amène même au niveau de l'intimité, tu sais, des fois des craintes qu'on a, c'est tout dans notre tête, dans le sens où on y accorde l'importance qu'on veut y accorder. Puis souvent, je pense que c'est beaucoup moins grave pour les gens en général que ça l'est pour nous. Ça amène des fois des drôles de situations avec mon partenaire, surtout au départ. Là, maintenant, tout va bien, là, mais bref, dans mon cas, ça a été un soulagement. Puis c'est pour ça aussi que je trouve ça important d'en parler, parce que c'est beau aussi d'avoir des exemples qui sont positifs. Tous n'ont pas à l'être. On a chacun notre parcours. Je ne cacherai pas que ça a été positif. Ça n'a pas été positif depuis le jour 1, mais rapidement, ben, pour moi, ça a été un changement, un beau changement dans ma vie, puis je ne retournerai jamais en arrière. Merci beaucoup Camille et vous allez découvrir après dans la deuxième partie de la table ronde. Donc restez avec nous parce que Camille a plein de ressources. Latifa, une petite présentation avant la table ronde de tout à l'heure. Bonjour. Cyril, tu pourrais lui reconnecter son micro s'il te plaît parce qu'elle est en voiture, Latifa. Voilà, merci. Oui, bonjour. Je viens de me connecter, désolée, j'ai pas pu me connecter avant. D'ailleurs, je ne sais pas si Fatima est connectée ou pas. Non, non. Alors, moi, Latifa, en attendant Fatima, on travaille toutes les deux à l'association d'Alzo. C'est une association pour femmes cancéreuses. Et moi, je m'occupe des femmes. En tant que yoga du rire, est-ce que je me présente ou je présente ce que je fais? C'est comme vous le souhaitez, vraiment, la parole est libre, donc vous pouvez vous présenter un peu et ce que vous Ouais, faites après aussi. S'il vous d'accord. plaît. Bah, après de longues études médicales, je me suis intéressée à toutes les méthodes psychocorporelles, que ce soit pour l'enfant ou pour l'adulte. Pour l'adulte, c'est essentiellement yoga du rire et art thérapie. J'interviens aussi bien dans les écoles que en milieu universitaire, beaucoup d'associatifs, et j'ai un atelier privé, voilà. Et j'interviens pour les femmes, pour les adultes à Darzeau, les personnes atteintes de cancer et les enfants aussi, dans une autre association qui s'appelle Nojum, aussi les enfants atteints de cancer. Voilà. Merci beaucoup. Et à 19h, nous allons découvrir ce fameux atelier du rire et ce qu'il apporte justement aux En patients. attendant, je vais peut-être essayer de l'aider à se connecter. Je l'appelle pour l'aider. OK. D'accord. Ça Merci beaucoup, Latifa, pour l'aide. Merci à Alors, vous. du Maroc, nous allons passer à la Suisse. Donc, Élodie, c'est à toi. Bonjour. Je Bonjour, Elodie. m'appelle Elodie. Bonjour à tout le monde. J'ai 25 ans. Comme Myriam l'a dit, je suis en Suisse. Alors, pour ma part, désolée si vous allez entendre un peu mon bébé, il est à côté. Mais bon, j'ai été diagnostiquée d'une rectocolite ulcéreuse il y a 4 ans, et là, j'ai une iléostomie depuis maintenant 2 ans.
Mon parcours et mon adaptation à la poche a finalement été assez proche de celui de Chantal. Donc, je vais moi principalement évoquer une partie de mon vécu qui a été ma grossesse, car j'ai eu un enfant avec une stomie. Et rapidement, en fait, moi, c'est vrai que ma plus grande préoccupation quand j'ai eu ma stomie, ça a été la maternité. Je venais de me marier. J'ai eu ma stomie un mois après mon mariage. Et c'est vrai que je ne pouvais pas concevoir de pas avoir d'enfant, c'était vraiment pas possible. Donc c'est ça en fait qui m'a le plus bouleversée. Et heureusement, mon chirurgien m'a quand même dit que c'était possible d'avoir des enfants, mais que j'étais face à un choix, à un dilemme. Donc en fait, rapidement, la première option, c'était soit je repousse mon projet de maternité, le temps de faire les opérations de continuité, et j'enlève ma poche. Par contre, pour pas trop abîmer les muscles du bas-ventre, eh ben, ça sera une césarienne à grande probabilité. Et la deuxième option, c'est soit je garde la poche à vie, mais je peux tenter un accouchement par voie basse parce que c'est pas très grave à ce moment-là si les sphincters sont un peu trop étirés dû à l'accouchement. Et ben moi, j'ai rapidement fait le choix numéro 2. Je ne pouvais pas concevoir une césarienne et puis finalement, ce n'était pas si grave pour moi de d'avoir une poche à vie vu que ça m'a sauvé la vie. Donc voilà, l'accouchement s'est très bien passé. La seule péripétie que j'ai connue lors de ma grossesse, c'est que mon intestin grêle a fait un nœud, donc j'ai dû être opérée d'urgence à 6 mois de grossesse. Et tout s'est très bien passé, heureusement. On m'a remonté ma stomie pour qu'elle soit maintenant actuellement au niveau de juste en dessous de mes côtes. Comme ça, la croissance de mon bébé n'allait pas appuyer sur la stomie. Mais bon, pour moi, c'est pas grave, tant que tout va bien et que j'ai eu un bébé en très bonne santé. On pourra revenir en détail plus tard. Merci. Ah, merci Elodie, nous allons te retrouver toi aussi à 19h. On va passer du côté de la France. Corinne, alors Corinne, on la retrouvera aussi à 19h, mais une petite présentation parce que, s'il te plaît, c'est à toi. Merci, bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis coach professionnelle, patiente partenaire et je travaille dans le médico-social. Après des reconversions suite à un deuxième cancer et à une stomie que j'ai eue avec une remise en continuité en 2019. Donc il y a vraiment deux sujets, c'est-à-dire à la fois le fait d'avoir une stomie, une colostomie pour ma part, et la remise en continuité plusieurs mois après. Il y a eu un écart entre les deux, étant donné que lors de mon réveil après la chirurgie, j'ai découvert la stomie. Je ne savais pas ce que c'était qu'une stomie. On ne m'avait pas prévenu. Donc, c'était très, très compliqué. Mais bon, j'ai essayé d'accepter des choses qui n'étaient pas toujours très, très simples. Mais je le développerai tout à l'heure à 19h. Merci beaucoup. Alors, le timing, bravo à toutes pour l'instant. Hein. Oui, Cyril, tu veux te présenter parce que Cyril et Maria vont faire la clôture de ce webinaire. Donc, Cyril, s'il te plaît. Ben, je peux dire deux, trois mots. Alors, par contre, on m'a dit que quand je parlais, on me voyait pas forcément parce que comme je fais la technique aussi, je suis sur deux écrans. Donc, si vous avez que le auteur, enfin, celui qui parle que vous voyez en grand écran, mettez-vous en galerie et du coup, vous devriez me voir dedans. Parce que là, je pense que c'est Jacques que vous voyez en grand écran pendant que je parle puisque le micro est branché sur son ordinateur. Mais bon, si vous n'avez pas envie de me voir, c'est pas grave, je comprendrai. Donc, pour faire rapidement. Donc, moi aussi, j'ai été atteint d'un cancer colorectal à 50 ans. J'ai eu une stomie, mais de façon temporaire. Et justement, je me suis intéressé à tout ça de très près parce que, comme l'a dit Corinne, moi non plus, je ne savais pas du tout ce que c'était. Je me suis retrouvé avec ça et sans vraiment comprendre. Et moi, par contre, elle était temporaire. Donc, j'ai été remis en continuité. Et finalement, ça a été hyper galère après, alors que je pensais que la remise en continuité, c'était salvateur. Mais en fait, pas du tout. C'était très compliqué. Et tout ça a fait que j'ai dû me renseigner beaucoup par moi-même, mais il n'y avait pas d'association sur les cancers colorectaux à l'époque. Mais j'avais entendu dire que patients en réseau, fort des trois labels qu'il avait déjà, mon réseau cancer du sein, mon réseau cancer gynéco, mon réseau cancer du poumon, voulait monter un label, mon réseau cancer colorectal, dont Colette
été une des fondatrices avec Laure Guévoix-Colas et m'ont demandé de les rejoindre pour en être co-responsable. Et j'en suis donc aujourd'hui co-responsable avec Myriam, qui elle est sur Paris. Alors, moi, je suis à Montpellier normalement, mais au Québec aujourd'hui. Voilà, on discutera de tout ça. L'ostéomie, j'en ai parlé pour le témoignage de d'abord. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que je trouve qu'en France, au moins en France, je ne sais pas ailleurs, mais c'est un sujet qui est très peu abordé, que ce soit par les soignants, la communauté, la population ne sait pas vraiment ce que c'est. Et du coup, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes typiquement quand on arrive à la police, quand on doit prendre un avion et qu'on a une stomie, parce que le personnel n'est pas forcément soigné. Je demande ce que c'est que ce truc-là. Je sais qu'apparemment, il y a certains pays où ils utilisent les stomies pour faire passer de la drogue, donc forcément, ça crée des problèmes. Qui dit poche de stomie dit des fois vidange de poche de stomie, donc il faudrait pouvoir avoir accès à des toilettes de façon facile. D'ailleurs, quand on est remis en continuité aussi, parce que c'est quand même un handicap invisible. Et du coup, c'est vraiment cette journée mondiale de la stomie est quelque chose de très important. Et je suis très content que cette journée de la mondiale de la stomie n'existe que tous les 3 ans, mais que nous, à cette même date anniversaire, avec l'Union, avec ASRI, avec mon réseau cancer colorectal, avec l'AFA et tous les autres, DARZOR et tous les autres, chaque année, nous faisions cette journée francophone, journée des stomisés sans frontières, pardon, et francophones. J'en profite pour faire un petit coucou et félicitations à Elodie, on commence à avoir quelques commentaires et réactions de par nos auditeurs. Et qui donc la félicite pour tout son parcours. Merci Cyril. Jacques, Laure et Maria, vous vous présenterez dans la deuxième table ronde, à l'ouverture de la deuxième table ronde. Nous allons donner, alors je précise, la Myriam dont parle Cyril, c'est pas moi. C'est une autre. Mais, eh ben oui, qu'il n'y ait pas Oui, c'est confusion. vrai. Oui. Merci, parce que ce serait un peu dommage pour l'autre Myriam surtout. Donc, ben, on va ouvrir carrément la table ronde avec Virginie. Véronique du CHU de Nîmes, donc France. Mesdames, c'est à vous. Bonsoir, bonsoir Michel. Bonsoir. Merci beaucoup. D'abord, on tenait vraiment à vous remercier de nous avoir permis de présenter ce qu'on fait avec Virginie sur le CHU. Merci beaucoup Myriam déjà d'avoir participé, on va le raconter à ce qu'on propose aux étudiants sur l'école d'infirmières de Nîmes. Et puis merci beaucoup pour votre invitation. On est honorés de participer à cette table ronde ce soir vraiment. Merci beaucoup. Virginie, tu veux commencer? Importe, oui, je Oui. peux démarrer, oui. Du coup, une présentation rapide hein, de nos profils et pourquoi on en est arrivé à cette démarche. Donc, moi, je suis donc infirmière puéricultrice de formation initiale et donc j'ai œuvré pendant 25 ans en milieu hospitalier essentiellement. Et bon, pour la thématique qui nous réunit aujourd'hui, effectivement, j'ai vu des adultes et des enfants aussi confrontés à la stomie, et c'est quelque chose effectivement qui peut être qui est souvent peu discuté, peu exploré, peu parlé, et souvent effectivement c'est une surprise qui n'est pas de très bon augure d'ailleurs. Mais là, plus particulièrement ces dernières années, j'ai été sensibilisée aussi en tant que professionnelle de santé au partenariat en santé. Hein, et donc, après ma formation d'infirmière, quelques années plus tard, j'ai pris l'option de faire un master en recherche et éducation thérapeutique hein, pour accompagner les patients chroniques aussi. Et ce partenariat était un allant de soi pour moi, puisque j'ai aussi choisi une université, la Sorbonne, où on travaille et on est formé en même temps que des patients. Hein, d'ailleurs, ça s'appelle l'université des patients. Et donc, on est confronté à moyennant des équivalences de diplômes, etc. Et on est au sein d'une même formation. Et donc, ça suscite effectivement des débats dès la formation initiale. Là, depuis 8 ans maintenant, j'ai rejoint, donc, parce que j'ai aussi moi-même des soucis de santé, j'ai rejoint la formation initiale. Professionnelle de santé, donc au CHU de Nîmes, donc avec Véronique. Et on a en fait, on a une sensibilité commune justement à ce partenariat et on a aussi en charge
des unités d'enseignement qui ont attrait justement à l'image corporelle. Donc, on va après détailler un petit peu sur un diapo hein, qui fait juste 10 slides. En fait, cette sensibilité, je dirais, de départ et être confronté au référentiel de formation qui nous impose effectivement de travailler avec les étudiants dès le début de leur formation sur ces concepts d'anthropologie, d'image corporelle et tout ce qui a trop mécanisme d'adaptation, hein, que certains d'ailleurs d'entre vous ont déjà cité, qui peuvent être très différents, très variés et variables aussi d'un individu à l'autre. Et donc, on s'est un peu creusé la tête avec Véronique pour se dire, tiens, comment on pourrait effectivement rendre finalement ces contenus très, très théoriques, très conceptuels, en sachant que notre population quand même cible, ce sont des étudiants qui pour la plupart sont sortis de bac, donc qui ont entre 18 et 20 ans. Hein. Il y a quelques exceptions où c'est des formations, des promotions professionnelles, hein, où il y a une vie professionnelle antérieure. Mais c'est quand même pas la majorité de nos étudiants. Donc, nous est venue l'idée, eh bien, de travailler avec nos étudiants. Alors, je sais pas si on va directement dans le vif du sujet ou si, Véro, peut-être un petit mot sur toi qui fait que nos regards se sont croisés parce qu'on a des formations complémentaires aussi. Je vous laisse Oui, la parole, Véro. merci. Ben, du coup, moi, je suis Véronique White et je suis formatrice avec Virginie sur l'IFMS du CHU de Nîmes. Au départ, je suis anthropologue, j'ai un doctorat d'anthropologie et ethnologie, préhistoire, et j'ai travaillé pendant très longtemps en Amérique du Sud. Voilà, donc quelque chose finalement sur le papier d'assez différent, mais j'arrive quand même à trouver beaucoup de choses dans mon métier actuel qui font du lien. Je suis infirmière aussi et je suis infirmière sur le tard, c'est une reconversion tardive parce que voilà, ce parcours, toujours, j'ai toujours été intéressée par l'humain, que ce soit dans le passé ou voilà, dans la prise en soin. Et quand j'ai été infirmière, j'ai eu envie aussi de retrouver un petit peu le côté enseignement et formation que j'avais de par mon métier de chercheur, d'enseignant-chercheur avant. Et donc, j'ai envie de dire assez naturellement, assez rapidement, je suis revenue vers la formation. Donc, je travaille encore sur le terrain régulièrement, sur le CHU de Nîmes, en tant qu'infirmière. Et puis sinon, voilà, j'ai un petit peu combiné cette carrière d'anthropologue et puis le métier infirmier. Et je suis notamment en charge, comme le disait Virginie, de l'unité d'enseignement anthropologie, psychologie et sociologie sur l'IFMS. Et donc avec Virginie, dès qu'on s'est rencontrés, d'abord j'ai eu la chance de l'avoir comme formatrice quand j'étais étudiante, d'abord. Et quand on s'est rencontrés en tant que professionnels, voilà, on a tout de suite partagé cette appétence pour et ce goût pour l'humain, pour tout ce qui est l'art, etc., etc. Bon, bref, on a été connectés assez rapidement et on a décidé de développer des projets sur ces thématiques de l'image corporelle, du corps, etc., parce que c'était vraiment des choses qui nous rapprochaient. Et notre cheval de bataille, c'était vraiment, comme le disait Virginie, de rendre cette théorie de première année concrète pour les étudiants. Parce qu'effectivement, nos étudiants, déjà, fallait les intéresser, parce que c'est des unités d'enseignement où il y a beaucoup de contenu de cours, voilà. Et donc, on a essayé de trouver une façon de les accrocher et de les amener, voilà, sur des thématiques qui nous plaisaient, qui nous animait. Et pour ça, on a monté un projet qui maintenant est réel. Et ce projet, on l'a monté autour de l'image corporelle en partant de, ben, on va vous le montrer, en partant de la vie de Frida Kahlo. Est-ce qu'on peut juste, Cyril, est-ce que vous voulez qu'on partage notre diapo ou c'est vous qui mettez comment on s'organise Ah ben, comme si ça vous l'avez directement, vous pouvez le oui partager, comme ça vous oui pouvez le faire avancer à votre rythme. Parfait. Du coup, Véro, tu peux continuer. Enfin, voilà. Et puis après, on se Ok, on se partagera. passe la parole. Je lance le partage d'écran. Voilà, alors moi j'habitais en Amérique du Sud, donc c'est sûr que déjà, bon, Frida Kahlo, c'est quelqu'un vraiment que j'admirais et
qui faisait voilà, qui avait beaucoup de place dans ma vie personnelle. Et donc on a décidé avec Virginie de monter ce travail sur l'image corporelle en partant de Frida Kahlo et de son parcours, et d'essayer de concrétiser finalement les concepts qu'on abordait dans cette première année à l'école d'infirmière, ces concepts qui étaient quand même assez abstraits. Et nous on s'est dit, bah tiens, on va utiliser un support qui est un peu original pour accrocher les étudiants et démarrer un travail sur l'image corporelle qui démarre sur voilà, ce personnage qui est Frida Kahlo et qui va finir sa concrétisation avec une rencontre avec des patients partenaires qui vont venir partager une expérience aussi sur l'image corporelle et sur les modifications de l'image corporelle. Donc ça, c'était en gros, en très gros, le projet initial. Et donc, on vous a préparé juste quelques diapos pour vous raconter ben, voilà, la construction de ce travail et comment ça s'est structuré ben, l'année dernière et comment on l'a mis en place l'année dernière. Et c'est dans le cadre de ce travail qu'on s'est rencontré avec Myriam, justement, qui avait gentiment accepté de prendre part à ce projet. Donc voilà, Virginie, je te laisse la parole si tu veux raconter notre espèce de folie qui s'est Mais qui combinée. apparemment a plu, Oui. on va vous raconter. Donc effectivement, le contexte de ce projet, donc on doit répondre effectivement à un référentiel de formation où on doit aborder eh bien ces concepts hein, qui nous sont prescrits et qu'on doit aborder dans le cadre de la formation des premières années, en sachant que pour la plupart, ils n'ont jamais vu ou été confrontés au milieu du soin, un hein, milieu hospitalier ou peut-être quelques-uns, soit pour des confrontations personnelles ou de l'environnement familial. Et du coup, il y avait plusieurs objectifs à ça. C'est qu'ils vont être confrontés aussi quelques semaines après leur entrée en institut de formation en soins infirmiers, des corps qui sont abîmés hein, de façon constitutionnelle ou Oui, et si tu... altérés, hein, Oui, et c'est vrai que dans abîmés. l'accompagnement qu'on a avec les étudiants, souvent, pendant le premier stage ou en retour direct de premier stage, ils évoquent justement les émotions qu'ils ont ressenties face à ces corps abîmés, la difficulté et Surprise, enfin la des. surprise, la déstabilisation. Tout à l'heure, vous parliez, voilà, là, pour le coup, de la stomie. Ben, c'est sûr que, voilà, pour les étudiants qui sortent du lycée, qui sont confrontés à ces corps altérés, on va dire, en tous les cas, en post-opératoire direct, là, pour le coup, voilà, ça, c'est assez compliqué à gérer pour eux. Et du coup, on voulait travailler, voilà, sur ces concepts-là d'image Voilà. corporelle et de l'altération du corps auquel ils peuvent être confrontés lors de ce premier stage. Du coup, on s'est dit aussi qu'on pouvait aussi répondre et travailler avec eux sur leur propre représentation de leur corps et de l'image corporelle dans une société où, quand même, on le sait tous, l'image a une place, l'idéal, en tout cas, le corps idéal, entre guillemets, a une place quand même prépondérante dans notre société. On voit aussi, on voyait aussi, on le voit encore, des étudiants qui ont aussi un manque de confiance en eux, enfin. En lien aussi avec cette image du corps. Donc on s'est dit, peut-être que c'est une opportunité de travailler avec eux sur tous ces concepts, du coup de concrétiser ça. Et comme disait avec humour tout à l'heure Véronique, c'est aussi de les réconcilier parce que cette unité d'enseignement, déjà le titre fait trois lignes, hein, sociaux, anthropo, psycho. Souvent quand ils lisent le titre, il y en a qui sont déjà effrayés. Donc on s'est dit, il faut plus les effrayer, il faut les réconcilier. Donc, on est parti, comme disait Véro, de l'étude de l'œuvre, en fait, d'une œuvre à partir en plus d'une artiste qui au départ a eu effectivement des stigmates corporels. Et donc, notre questionnement, c'était comment rendre plus attractif un contenu théorique, de le concrétiser pour que les étudiants repèrent aussi, accompagnent au mieux, en fait, les souffrances. Les stigmates, visibles ou invisibles, hein, laissés par la vie, la maladie ou des accidents. C'était aussi de leur faire prendre conscience de leur propre représentation, de leur image corporelle, hein, qu'elle soit projetée, idéale, réelle ou perçue, parce qu'on a aussi ce delta où on peut avoir aussi des perceptions un peu erronées de sa propre image. Et du coup, on s'est dit, si déjà, je reprends un peu les propos que Chantal a dit tout à l'heure, que les étudiants, effectivement, si on donne confiance aux étudiants, ils donneront aussi à leur tour confiance aux patients. Hein? Donc, si on a déjà des étudiants qui sont en mal-être avec leur image corporelle, ils vont avoir aussi peut-être du mal à repérer
et accompagner les patients auxquels qui leur seront confiés. Hein, donc c'était vraiment aussi une préoccupation pour nous. On a choisi aussi, pardon si tu me permets, Vas-y, vas-y, je t'en prie. on a aussi choisi de démarrer ce travail à partir de l'œuvre de Frida Kahlo parce qu'elle donc elle permettait d'incarner ces concepts-là qu'on nous demande de travailler hein, sur voilà image corporelle, schéma corporel, corps réel, corps idéal, etc. et apparence, mais aussi parce que son parcours et sa vie nous permettaient d'aborder d'autres concepts tels que la résilience. Et D'accord. d'aborder aussi d'autres outils qu'on allait pouvoir utiliser en tant qu'infirmier et futur infirmier, notamment par rapport à l'art, à la musique, etc. Tous les médias qu'on peut utiliser justement dans ce parcours qui a été un petit peu, voilà, qui a été bouleversé. Et donc finalement, Frida Kahlo, ça a été la porte d'entrée pour nous à justement aborder ces différents concepts dans cette unité d'enseignement, partir de l'image corporelle, continuer vers la résilience et puis vers les outils concrets que l'infirmier, l'étudiant infirmier pour le coup en stage peut utiliser ou en tout cas prend conscience de l'utilité de ces outils-là dans ses parcours de soins et dans la réalité de soins aussi actuellement. Donc l'ingénierie en fait que l'on a effectivement déployée, hein, c'est plutôt une approche donc comme on l'a présentée et synthétisée en trois temps. Donc avec d'abord effectivement une approche théorique mais qui a été abordée effectivement de façon comment dire ce qu'on appelle un peu la pédagogie inversée. Donc c'est à partir d'œuvres que les étudiants ont pu effectivement je dirais déceler, repérer effectivement ces concepts, ils ont pu se questionner en fait au départ à partir d'une œuvre, à partir de supports qu'on leur a proposés, et puis à partir de leurs réflexions, on a un petit peu construit avec eux et synthétisé une forme, enfin voilà, de théorie. Et puis deuxième grande étape, on les a sensibilisés à la représentation du corps. C'est-à-dire à partir effectivement de leur propre image corporelle. Et donc, on a travaillé avec une autre collègue hein, qui sait qu'on est parmi vous aujourd'hui et qui est là avec nous par la pensée, hein, Adeline. Donc, qui a travaillé aussi avec dans son UE sur la créativité. Donc, les étudiants ont dû aussi représenter par une œuvre, peu importe le support, sculpture, chanson, poème, image, enfin, voilà. Leur propre représentation de leur corps. On en a fait une exposition. Et on avait combiné la partie de cette unité d'enseignement avec les patients partenaires. On avait comment dire, finalisé par l'exposition. Comme ça faisait aussi un ensemble assez une journée avec cette thématique autour de l'image corporelle. Et donc, il y a eu Alors, une on a exposition. été, oui, on a été assez surpris sur cette exposition parce qu'en fait, on est dans une formation, voilà, validante et donc c'était quelque chose qui n'était pas noté. Donc, on avait expliqué aux étudiants qu'ils devaient, voilà, s'investir, produire quelque chose, etc. Et on avait, bon, cadré un petit peu, mais pas trop quand même pour les laisser, libres de Libre. créer ce qu'ils voulaient. Et c'était, on a été, mais tellement agréablement surprise du résultat. Les étudiants, en fait, alors que ça n'était pas noté et qu'ils ont dû faire ça quand même la plupart du temps sur du temps personnel, mais tous, sans exception, sont venus avec une œuvre et avec une créativité, mais alors ils nous ont, mais étonnés, c'est pas suffisant parce qu'on était vraiment, voilà, bouche bée du résultat. Il y a un étudiant qui a composé une musique, d'autres étudiants qui ont utilisé la photographie, d'autres la peinture, la sculpture, vraiment, mais une variété en plus, voilà. Et tous, vraiment, ont investi le projet. Et nous-mêmes, on a été vraiment surprise de l'investissement. Et finalement, ça a été le fait que ce soit pas noté, que ce soit sur du temps personnel et voilà, que ce soit partagé ensemble. Finalement, ça a vraiment permis aux étudiants de s'exprimer. Et ça a été une réussite plus qu'on ne le pensait. Parce qu'on pensait vraiment, voilà, que ça allait Repérer, faire un... Ouais, que et de ça... Voilà. repérer aussi alors beaucoup d'émotions, mais repérer aussi ceux qui avaient effectivement des comment dire
perception d'eux-mêmes qui était aussi enfin difficile ou un corps qui bah, qui était pas celui qu'ils auraient aimé hein. On a vu aussi les écarts pour certains étudiants donc l'idée enfin le projet du coup comme on est dans cette idée-là c'est qu'on reprenne en fait leurs œuvres au terme de leurs études voir un peu si l'évolution effectivement du corps de soi son corps et l'image de que les renvoie aux autres de son corps, si ça avait, entre guillemets, évolué. Hein, donc ça, c'est le problème. On n'a pas encore, puisque c'est la première année. Donc, fin d'année prochaine, on saura effectivement. L'idée aussi, c'était de voir cette évolution au travers de ça. Donc, on revient en première année, donc après cette exposition. On a aussi une rencontre avec les patients, donc patients experts. Donc, on divise là, pour le coup, la promotion en tout petits groupes. Et ce groupe est accompagné d'un patient partenaire qui, en fait, des patients qui ont des pathologies différentes ou qui ont eu des accidents de la vie avec justement des handicaps ou des problématiques visibles et invisibles. Hein, on voulait vraiment un panel représentatif pour que les étudiants se rendent compte aussi ben, de ce qui n'est pas visible. Hein, à l'égard du patient et que c'est à eux aussi d'aller un petit peu explorer et chercher, puisqu'on a aussi mêlé à ça, bah, les techniques de soins relationnels, hein, de communication, de soins relationnels qui sont aussi abordées dans d'autres unités d'enseignement. Donc, on a demandé aux étudiants de préparer un petit guide d'entretien pour explorer cette partie-là, justement, d'atteinte corporelle, hein, dans différentes dimensions, hein. Donc, bon, on a choisi un modèle. Alors, le modèle canadien qui va bien hein, dans les dimensions bio, psycho, sociaux, enfin voilà, par rapport à cet entretien. Donc, les étudiants en amont préparent cet entretien. On a une petite présentation rapide, leur soumet des patients. Donc, les patients nous donnent ce qu'ils veulent dire aux étudiants. Après, les étudiants seront confrontés, mis en situation d'entretien simulé avec les patients, donc par petits groupes. Et cesser, entre guillemets, hein, c'est une situation d'entretien simulé, à explorer effectivement les atteintes que peut avoir le patient et les difficultés qu'il peut avoir, mais aussi peut-être explorer les mécanismes de résilience que le patient a pu mettre en place, si c'est le cas. Et puis chaque petit groupe fait une espèce de petite synthèse et débrief de cet entretien. Et après, dans un deuxième temps, on avait fait une espèce de grande table ronde avec une synthèse de ce qui s'est passé dans les petits groupes, une grande synthèse qui avait été travaillée là pour le coup avec les patients partenaires. Et là, notre volonté, c'était vraiment que les patients incarnent les concepts, c'est-à-dire que ce n'était pas une perturbation de l'image corporelle impalpable, c'est qu'on avait vraiment des patients, hein, donc on avait une personne qui avait eu un purpura fulminans, qui avait été amputée des jambes et à demi-bras. Bon, on avait voilà des patients comme Myriam, on avait enfin vraiment des pathologies très différentes, mais qui entraînent des stigmates visibles ou invisibles. Ça, c'était entre guillemets un des. Et puis donc après ce débrief, chaque groupe une synthèse donc est faite et les patients partagent sur leur expérience. Donc c'était vraiment voilà cette journée et ce travail à partir de Frida Kahlo s'est terminé justement avec ce rassemblement entre tous les étudiants et les patients. Et vraiment, on a vécu, enfin Myriam, je ne sais pas comment vous l'aviez ressenti, mais un moment vraiment intense et de partage avec les étudiants. Et on a été un peu dépassés finalement par voilà, Nos l'émotion émotions qu'on a. aussi. Oui, et ça a été vraiment un succès auprès des étudiants parce que aussi le fait de rencontrer, de faire venir des patients à l'institut de formation, le patient, voilà, dès le premier semestre hein, de formation, le patient, il rentre dans la formation et ça devient, voilà, ça devient réel pour nos étudiants, ça devient, voilà, c'est pour eux, c'était vraiment quelque chose de concret, quoi. Et c'était vraiment une réussite, et on a eu des retours vraiment, vraiment super de la part des étudiants aussi. Myriam, pardon, je vois que vous avez. Non, non, c'est que on arrive presque à 19 h, c'est extraordinaire ce que vous dites. On a Donc moi, fini, je... ouais. non, mais c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. C'est Mais fini, la dernière diapo. ayant participé, et c'est vrai que c'est la dernière diapo qui est extraordinaire aussi. Est-ce que Virginie, c'est possible de la passer? Parce que Avance un coup, Virginie, vas-y, ah appuie. oui, comme
Voilà, j'ai eu la chance, c'est vrai, que vous m'invitiez. C'est une découverte, voilà, extraordinaire. Ce que vous avez mis en place au CHU de Nîmes, c'est peut-être des idées qui peuvent germer auprès d'autres, parce qu'on est en international aujourd'hui. Voilà, je vous laisse finir avec les œuvres de vos étudiants, justement. Donc, une partie, effectivement, parce qu'effectivement, on a 200 étudiants, donc l'exposition, on pourrait tenir une table ronde toute la journée en découvrant l'exposition. Donc, notre idée, effectivement, c'était de laisser avoir les œuvres que les étudiants ont pu partager, ont pu faire avec leur créativité, la représentation qu'ils ont de leur propre image. L'idée aussi, c'est de renouveler pour nous le dispositif cette année. De publier aussi éventuellement sur ce dispositif et de proposer aussi une évaluation, puisque là, c'est vrai qu'on a fait une évaluation, mais plutôt informelle, hein, je dirais des instigateurs et des animateurs de cette journée. Mais pour nous, c'était vraiment important et les étudiants, en fait, je pense qu'on a atteint une bonne partie des objectifs. Après, on va voir comment ça va évoluer effectivement dans le temps par rapport à leur formation et comment appréhender effectivement ces corps meurtris, hein, je dirais d'une façon plus générale. Et moi, je vais dire la sensibilité aussi à la démocratie sanitaire. Et c'est là aussi vraiment où on s'est rejoint avec Véronique et Adeline, hein, notre autre collègue, c'est que vraiment, je me dis, on travaille avec des patients. Si on met pas les patients au cœur du dispositif dès la formation initiale, on passe à côté de quelque chose. Comment on peut parler de soins à des patients sans vraiment les intégrer dans la formation? Alors, je sais que le Montréal modèle, voilà, il est déjà développé dans certains pays. Nous, on y arrive, hein, ça y est, la démocratie sanitaire arrive en France à grands pas, on commence à légiférer, enfin, voilà. Mais vraiment, c'est quelque chose auquel je tenais beaucoup en formation initiale. Et là, c'est vrai qu'on a été un petit peu novices en la matière dans notre établissement de formation. Tout à fait. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Virginie. à vous, Myriam, et merci de nous avoir permis de présenter ce travail. Merci beaucoup. Est-ce que c'est possible Merci. d'enlever le partage d'écran, Bien Virginie? sûr. Parce que du coup, on va revenir sur voilà, tous les intervenants. C'était vraiment le socle de ce Stomiser sans frontières, parce que vivre avec une stomie au féminin, ben, commencer un petit peu par l'approche du schéma corporel, de l'image de soi. Et justement, maintenant, on va aller sur, quand même, il y en a qui ont développé de la résilience, comment on rebondit, comment on peut reprendre confiance en soi. Et il y a de belles histoires et il y aura de beaux témoignages dans cette deuxième table ronde. Donc, c'était important qu'on commence par Frida Kahlo et par deux passionnés qui sont Véronique et Virginie. Donc, merci à vous. Merci. Cyril, y a-t-il quelques questions? Parce que peut-être qu'il ne faudrait pas oublier cela. Alors, il n'y a pas eu vraiment de questions. Il y a eu un commentaire tout à l'heure par rapport à ce qui se fait sur Nîmes, par rapport au CHU de Niort, où on dit que c'est pareil. Il y a deux stomas qui font de la formation, qui consultent, et qui consultent aussi après donc la pose de stomie, et pas que les personnes hospitalisées. Il y a pas mal de centres où ça se passe comme ça. Malheureusement, il y a des centres aussi où seules les personnes hospitalisées peuvent profiter de la connaissance et de l'expertise d'estomac qui sont dans le centre. C'est bien malheureux et il est assez difficile, il est vrai, de trouver des stomathérapeutes en dehors des centres de soins. Oui. Ça, nous aussi, en fait, on a des stomathérapeutes, mais qui ne vont pas à l'extérieur, effectivement, qui ne vont pas à domicile. Voilà, ça c'est très compliqué, je trouve que ça se voit pas mal, et je pense que par rapport à des infirmières qui s'y connaissent en stomathérapie, mais qui ne sont pas estampillées stomathérapeutes, effectivement c'est assez difficile, et beaucoup refusent de faire ces soins ou d'aider, donc parce que peut-être pas la connaissance, pas l'envie, enfin il y a beaucoup de choses à faire. J'en profite tant que j'ai le crachoir, donc le micro, comme ça qu'on dit dans la radio, pour pousser nos auditeurs à pas hésiter à poser des questions avec l'onglet Q et R que vous voyez en bas de votre écran.
Donc, ou on y répond en direct, ou on y répond donc en direct au micro ou par écrit si jamais c'est rapide. N'hésitez pas à faire ça. Ne vous étonnez pas si des fois vous voyez un nom bizarre apparaître, il y a marqué Arige de temps en temps, et ça j'ai oublié de signaler au début. Ce webinaire est hébergé par une autre association à laquelle j'appartiens qui s'appelle Arige. Donc, si vous voyez ce nom-là traîner parmi, et qui n'a rien à voir avec la stomie, hein, c'est sur l'édition du génome. Ne vous étonnez pas, vous êtes bien dans le bon séminaire. Et Myriam, par rapport au déroulé du programme, nous avons enfin réussi à nous connecter avec Fatima, qui est donc passée du côté des panélistes. Et du coup, quand ce sera son tour de parler, c'est bon, tu peux lancer la chose. Voilà. Merci beaucoup, Cyril. Alors, on va donner la parole à Latifa avec son atelier du rire. Ça a une résonance extraordinaire avec art-thérapie, musicothérapie. Donc là, c'est atelier du rire parce que Latifa devra voilà, nous quitter dans quelques minutes. Donc, merci à elle. Alors, qu'est-ce que c'est cet Myriam, atelier du rire? excusez-moi, je me permets, je dois partir à 19h. Je me permets de vous saluer tous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et j'espère qu'on se recroisera prochainement. Et c'est un plaisir de vous rencontrer, de participer. Je vous souhaite une belle soirée. Merci pour tout, vraiment. Bonne soirée, Véro, à demain. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Latifa, c'est du direct, on est entre nous, donc il y a des petites coupures comme ça pour se dire au revoir. Latifa. Eh ben, rebonjour. Vraiment, comme tu dis, Myriam, ça vient vraiment, c'est un bon passage après Véronique et Virginie, parce que j'ai trouvé pas mal de choses qui concordent avec mon atelier dont je vais parler. Alors moi, je fais un atelier de yoga du rire, justement, vu que j'ai une formation aussi de yoga, une formation d'art-thérapie, je leur fais à la fin un peu de danse-thérapie pour appuyer sur cette joie qu'on essaie de raviver. Juste, je vais parler un petit peu d'art-thérapie et de yoga du rire et de ce bienfait. Ça a été, justement, cette école, ça a été fondée en 1995. C'est un médecin qui l'a fondée. Comme je suis de formation médicale, je voulais avoir appuyer justement les bienfaits de cette méthode. C'est un médecin qui l'a fondée, docteur Kataria. Il y a eu beaucoup d'études sur ce yoga du rire, tels que David Servan-Schreiber, des études au Japon, en Australie, en Iran, sur le bienfait de ce yoga du rire. C'est tout simplement une séance de yoga, mais la partie posture, elle est remplacée par le rire. Et on ne prétend pas être des comédiens ou des comiques. Non, on vient simplement apprendre des petits exercices, des petits jeux d'espièglerie infantile qu'on revit avec nos bénéficiaires. Et pour moi, c'est le plus grand bienfait, justement, c'est de revenir à cet enfant intérieur qui est en nous, qui n'est que joie, amour et créativité pour moi. Et ça vient appuyer ce qu'a dit Véronique après les douleurs du corps, il y a aussi les douleurs du cœur. Et je vous assure que quand on touche cet enfant intérieur, j'ai fait plusieurs méthodes. Et toucher l'enfant intérieur par le rire, par revenir à son enfance, parce que ce sont, comme j'ai dit, des jeux d'enfants. On revient à des jeux d'enfants. On n'est pas dans l'intellectuel. On fait, on pour quand on, quand on quand on par exemple quand on dit une blague. Il faut l'intellectualiser pour la comprendre et après on rit. Mais là, c'est le contraire. C'est pour moi du psychocorporel parce que ça atteint le corps pour donner du bien-être. C'est le schéma inverse. Et moi, je suis vraiment adepte de toutes ces méthodes psychocorporelles.
Ça d'une part, d'autre part, ça tisse beaucoup de liens. Je vais vous donner des exemples après. Ça a été la troisième recommandation de la Fédération française de cardiologie, le rire, parce que ça diminue la pression artérielle, le cortisol. On a fait plusieurs études. Le cortisol, il diminue. La douleur, en principe, le vif de la séance est 15-20 minutes. Eh ben, la douleur, j'ai eu des témoignages de femmes qui m'ont dit qu'elles ne ressentaient plus la douleur parce qu'il y a libération des hormones de bien-être et antidouleur, justement. L'endorphine, sérotonine, dopamine, ocytocine. Donc, voilà. L'immunité aussi, par la diminution du cortisol, justement. Rire, ça fait remonter tous ces muscles, ça rajeunit, hein. Ça ramène de l'oxygène. Donc, voilà. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de bienfaits dans le yoga du rire. Et c'est contagieux aussi. Qu'est-ce que je peux dire après? Si je puis me permettre, Les témoignages il y de a une, femmes? si je puis me permettre, il y a une question là parmi nos auditeurs. La Oui. personne ne comprend pas très bien pourquoi le yoga. Elle dit, ben, si c'est le rire, pourquoi le yoga? Parce que le yoga combine déjà les postures et les techniques de respiration et la méditation pour favoriser la flexibilité. Donc, il ne voit pas bien le rapport, l'association des deux. L'association de quoi? Ben, du rire et du Et yoga, du parce que c'est yoga. le yoga du rire. Parce que si je rentre dans une séance et que je commence directement par allez, on va faire des séances de rire, on va faire des exercices de rire et ça va pas marcher. Il faut préparer la personne et par le corps et par la respiration et par énergétiquement pour ce rire-là. Donc c'est vraiment une vraie séance de yoga. Bon, c'est une vraie séance de yoga qui a de vraies séquences de la séance de yoga, sauf que pour la partie respiration et posture, il y a des respirations normales et il y a des respirations de rire. J'espère que j'ai répondu à la question. C'est différent. Les objectifs sont différents. Les objectifs. Il y a des objectifs qui sont semblables, mais là, ça touche plus notre côté joie, notre côté essence, notre côté enfant intérieur, et ça tisse des liens. Moi, je travaille beaucoup avec les sociétés, et c'est très recommandé pour tisser des liens avec les gens qui travaillent dans cette société. C'est très très recommandé, plus Ça que le yoga fédère, aujourd'hui. ça fédère. Ça Je fédère, dis, oui, ça exactement. fédère une Ça équipe. tisse des liens, relations, communication. Ça se voit. La relation n'est pas du tout la même au début qu'à la fin. Et j'espère que j'ai répondu. Mais du coup, Latifa, on va peut-être pouvoir donner la parole à Fatima si tu es d'accord. Parce que. Est-ce que je peux terminer juste par des témoignages, trois Bien témoignages? sûr, bien Oui. sûr. Alors, les témoignages, c'est une femme, les témoignages qui m'ont marqué. Une femme qui rentre qui me dit, vous savez, madame, que j'ai changé, Latifa, elle m'appelle Latifa, je préfère, que j'ai changé mon billet d'avion pour venir à votre séance. Une autre qui me dit, je viens de sortir d'une chimiothérapie. Et là, je sens plus de douleur. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et Fatima peut l'appuyer que c'est une activité qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes à l'association d'accompagnement de femmes cancéreuses. Vraiment, à tel point qu'on n'arrive pas à caser toutes les femmes. On fait à tour de rôle. Voilà.
Merci pour Bravo. votre écoute. Bravo. Voilà. Et on aurait pu avoir une séance de yoga du rire en direct quand même. Ça aurait été bien. Hein? Donc il faudra Oui, qu'on se rencontre on de peut le nouveau. faire. Fatima, bon, merci parce que tu as eu énormément de problèmes pour te connecter au webinaire de ce soir. Donc, merci d'avoir tenu bon. Et ben, tu veux peut-être témoigner, voilà, le yoga du rire, c'est un autre sujet aussi qui te tient à cœur. Je ne sais pas si je dois me présenter pour celles qui ne me connaissent pas, brièvement, ou je Bien sûr. parle de, bon, voilà, et donc, il y a parmi ma série, les gens qui me connaissent très bien, oui, mais il y a d'autres qui ne me connaissent pas. Donc, je me présente brièvement. Donc, c'est Fatema Krifni. Je suis membre de l'association Dard Hall. C'est une association qui accueille toute personne atteinte de cancer et qui présente des soins de support, dont le yoga du rire, pour améliorer la qualité de vie du patient atteint de cancer, y compris les personnes stomisées. Je suis la patiente référente de l'Union des stomisés de l'Afrique francophone. Je remercie Colette Boucou et toute personne de près et de loin qui m'ont aidée à collecter des dons pour les personnes stomisées au Maroc. Et je suis une patiente partenaire. J'ai eu la chance de suivre la formation du patient partenaire en cancérologie, ma soutenance portait sur le cancer colorectal et comment vivre avec la stomie. Actuellement, j'anime des groupes de parole et des ateliers pour les personnes stomisées. Je suis une personne stomisée depuis 8 ans déjà et j'assiste quelques patients partenaires de la deuxième promotion dans l'organisation des ateliers basés sur leur mémoire. Voilà, c'était Fatema Krisni. Donc, je parle un petit peu de mon parcours avec le cancer, brièvement, et la stomie. Je ne sais Si tu pas. veux, de toute façon, tu es avec Vivre au féminin avec une stomie, donc Exactement, j'ai déjà d'accord. préparé pour l'aspect culturel et religieux et le regard des autres pour la femme stomisée, mais je me parle un peu de mon expérience avec le cancer et la stomie qui étaient des chocs dans ma vie. Donc ma vie a basculé il y a 8 ans lorsque j'ai été diagnostiquée. Excusez-moi, j'étais énervée tout à l'heure parce que je ne pouvais pas me connecter. Donc, vous allez me comprendre. Lorsque j'étais N'inquiète pas. diagnostiquée d'un cancer du bas rectum et à la nécessité de porter une stomie. Vivre avec deux chocs en même temps, c'était terrible. J'étais envahie par toutes sortes d'émotions qui paralysaient mes pensées. Je me rappelle que lorsque le médecin m'a annoncé ces deux chocs, je le regardais en pleurant. Le cancer, c'est comme toute personne que j'étais toujours, évoque la souffrance physique et la mort. Mais la stomie, c'était la première fois que j'entends le mot stomie. La première fois que je sais qu'il existe des personnes qui vivent avec une stomie. J'étais dans l'incapacité, je vous assure, d'entendre les explications du médecin sur la nature de la maladie et sur ses traitements. Finalement, je n'avais pas le choix. J'ai accepté le protocole du traitement de mon corps. Mais l'idée de vivre avec une poche me semblait insupportable. J'ai suivi 23 séances de radiothérapie, de chimiothérapie, radiothérapie, et après, je me suis retrouvée avec une stomie, une iliostomie. J'ai porté cette iliostomie pendant 1 année. Après le rétablissement de la continuité, j'ai eu une fistule rectovaginale. C'était un troisième choc, c'était un cauchemar que j'ai vécu pendant 8 mois. Grâce à Dieu. Après ces 8 mois, la fistule s'est cicatrisée d'elle-même. J'étais tellement heureuse. Je vous assure que j'étais tellement heureuse parce que j'ai vécu des moments trop difficiles. Et les médecins vont comprendre c'est quoi une fistule rectovaginale autant que femme mariée. Cette cicatrice, Dieu merci, cette fistule rectovaginale s'est cicatrisée d'elle-même. J'étais heureuse, mais malheureusement, cette joie était trop. Avec dont je porte, ça fait 8 mois. J'ai vécu des moments de dépression, de colère, de culpabilité, de déni. Je haïssais mon corps à cette époque. Il m'était devenu impossible de me regarder dans le miroir. J'avais vraiment besoin d'un soutien psychique. Le corps médical était là, il soignait mon physique,
mais j'avais besoin de parler, de d'être soutenue, de d'être accompagnée. Et puis, un jour, j'ai eu la chance de découvrir l'association d'Arzor qui a impacté ma vie positivement grâce aux soins de support qui présente l'association. Je cite le Reiki, la sophrologie, les soins esthétiques, l'alimentation qui est très importante, le yoga du rire dont Madame Latefa vient d'expliquer. C'est très important le yoga du rire parce que les femmes atteintes de cancer ont besoin de rire, ont besoin de s'exprimer, ont besoin de lâcher prise. Et ça fait énormément du bien. Et je n'oublierai pas le groupe de parole, là où on rencontre des personnes qui vivent la même situation, qui vivent les mêmes douleurs et qui pourra comprendre une personne atteinte de cancer qu'une autre qui a vécu la même chose. Ces ateliers ont amélioré ma qualité de vie, m'ont permis de gérer des effets secondaires des traitements, des effets secondaires de la chimiothérapie. J'ai commencé à lâcher prise, à m'accepter, à m'aimer, à éliminer les personnes toxiques de ma vie et à accepter ma stomie et à accepter ma nouvelle vie. Grâce à cela, je suis devenue une autre personne, une personne différente, confiante et transformée, ce qui a radicalement changé ma vie. Ces ateliers m'ont donné le courage, la force et l'énergie de suivre la formation du patient partenaire en cancérologie. Cette formation m'a offert l'opportunité d'accompagner et d'aider d'autres personnes stomisées à relever les défis quotidiens auxquels elles sont confrontées. Vivre avec une stomie, c'est un véritable challenge quotidien qu'il faut bien gérer. Je leur enseigne comment vivre, comment faire l'entretien de la stomie, comment vivre avec la stomie, l'habillement, prendre un bain, voyager, le sport et comment vivre en général. Il faut toujours voir le cancer. Pour moi, il faut toujours voir le cancer d'un œil positif et dire tant qu'il y a vie, il y a espoir. Voilà un petit peu, en résumé, mon aventure avec le cancer et la stomie. Merci beaucoup, Donc, Fatine. si vous voulez que je parle plus tard pour la femme stomisée qui souffre, les personnes stomisées souffrent en général, mais la femme souffre beaucoup, beaucoup. Je suis consciente parce que je suis une femme stomisée et je sais les défis, les difficultés, les challenges que rencontre la femme stomisée. Si vous voulez que je continue, je m'arrête là. Alors, ce Myriam. qu'on peut faire, c'est que peut-être on va donner la parole à Elodie. Comme ça, on repart sur son expérience. On te redonnera la parole aussi, parce que comme ça, on est en international, on va croiser les pays, parce que c'est toujours très intéressant. On donnera la parole à 8h moins le quart à Maria Haas, qui nous fait l'honneur d'être à nos côtés. Jacques, notre Jacques, et si je ne sais pas où. Voilà, hein, Cyril doit savoir, c'est le Québec. Ah ben voilà, il revient, c'est magique derrière l'écran. Élodie? Myriam, qui a donné le Oui. code je... Oui, ah, ok. Je réponds tout ça. D'abord, j'avais une petite remarque. Il y a une remarque qui est arrivée là sur nos auditeurs, qui trouvaient d'ailleurs, Virginie a répondu, mais je pense que c'est intéressant pour d'autres personnes aussi, qui trouvent que ce yoga du rire, c'est très intéressant, mais que c'est dommage que ces activités soient toujours présentées et affiliées au cancer. Et en fait, cette notion de soins de support a été inventée d'abord pour le cancer. Après, on va peut-être le voir dans d'autres pathologies. Oui. Tout comme la notion de patient partenaire a été inventée dans le milieu du sida. Et maintenant, commence à arriver dans les cancers. Donc, en fait, à chaque fois qu'il y a une évolution dans le soin, dans l'aide aux soins, dans le parcours de soins, c'est souvent lié à une pathologie. Et après, quand on en voit le bénéfice, les autres pathologies vont en profiter. Donc, aujourd'hui, effectivement, le yoga du rire, c'est pas que pour le cancer, mais c'est peut-être là où on en parle le plus, effectivement. Mais ça va arriver doucement dans les autres pathologies. Donc, il n'y a pas, et on veut pas que on veut pas mettre en groupe les cancéreux d'un côté, les diabétiques de l'autre, etc. C'est pas du tout le but de tout ça. Mais forcément, quand on en parle, c'est des gens qui sont focus sur telle ou telle pathologie. C'est pour ça que vous avez ce sentiment-là. Et je pense que Virginie a bien répondu à la question en parlant. Oui, je me suis permise parce qu'effectivement. C'est pas que le yoga du rire, mais les soins de support en général, et je le dis par expérience, ça améliore la qualité de vie de la personne bon, atteinte de cancer, comme dit Cyril, peut-être pour d'autres pathologies, mais en général, c'est vraiment, il y a des retours positifs des femmes qui ont assisté à ces ateliers et
Si tu le vois, la femme, dans le premier jour qu'elle arrive, c'est une autre au bout de 6 mois. C'est vraiment une autre, un changement radical. Oui, et c'est à nous, justement, association, de promouvoir ces soins de support, mais de les ouvrir aussi, de faire prendre conscience aux instances et autres que les soins de support sont indispensables, comme vous dites, hein, mais dans les maladies de Crohn, rectocolite, ça commence à arriver peu à peu. Donc, il y a une évolution. Donc, Élodie, maman avec une belle iléostomie, tu veux partager un petit peu plus de ton vécu ou c'est à toi? Oui, merci beaucoup de me donner la parole. Rebonjour. Alors, c'est vrai que pour ma part, ça a été assez facile d'accepter ma nouvelle condition, si je peux dire ça comme ça, parce que tout simplement, entre guillemets, ça m'a sauvé la vie. J'ai eu 2 années très, très compliquées, plusieurs hospitalisations, je répondais à aucun traitement immunosuppresseur. Et au final, c'est quand le chirurgien m'a dit, bon, maintenant c'est l'astomie ou pire. Donc, c'est vrai que quand je me suis réveillée, l'opération, ben, tout de suite, ma vie a changé, ma qualité de vie a changé. J'ai pu revivre, en fait, quasiment normalement. Et c'est ça qui a fait que j'accepte finalement très bien l'astomie, je la vis très bien. J'ai plus l'impression que je vois ça comme un problème technique, on va dire que j'ai eu un problème de mécanique qu'on m'a, enfin, peut-être pas résolu, parce que ça ne s'est pas résolu en soi, mais voilà, on a mis un petit dispositif supplémentaire pour m'aider à revivre quasiment normalement. Après, c'est vrai que comment est-ce que j'ai pu aussi accepter ça facilement, c'est principalement aussi le soutien de mon entourage. Ma famille proche qui venait me visiter régulièrement, mon frère est médecin, il connaissait totalement ma maladie, ce que c'était l'astomie, etc. Et puis, comme je l'ai dit, j'ai rencontré un homme qui est devenu mon mari, et lui, en fait, il m'a suivi quasiment tout mon parcours médical, toutes mes péripéties, toutes mes aventures très compliquées. Bah, il était là, quasiment tous les jours de mes hospitalisations. Il était là, il passait les nuits avec moi. Et ça a été un très, très grand soutien. Et heureusement qu'il était là. Après, au niveau plus pratique, comment est-ce que j'ai rebondi? C'est vrai que je prends beaucoup ma condition avec de l'humour. C'est quelque chose où, avec mon mari, on en rigole très souvent. Avec ma famille aussi, j'ai aucun problème à en parler. Puis, vous voyez, enfin, j'ai même mis une photo de moi enceinte avec la cicatrice en bas de mon ancienne stomie, ma poche, et puis là, la grande cicatrice au-dessus du nombril lors de mon opération quand j'étais enceinte. Justement, Et voilà. Elodie, excuse-moi de te couper, c'est Cyril. En fait, je ne peux pas partager la photo que tu m'as envoyée. Si tu pouvais la partager et ta photo de profil, il n'y a que les panélistes qui la voient, le grand public ne la voit pas. Puisque comme Ah. avec les systèmes de sécurité, quand on refuse la caméra panéliste, ça coupe même la photo, quoi. Donc si tu pouvais partager D'accord. la photo, voilà, puisque tu m'avais donné l'autorisation de la passer. Et moi, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas que je la diffuse. Ok, alors je vais essayer. Bah, si tu peux pas, vas-y, tout en discutant. En tout cas, merci. Oui, ce serait dommage de ne pas pouvoir la partager parce qu'elle est magnifique, cette photo, pleine de symbolique, je trouve. Ouais. Alors, je Exactement. confie ça à mon mari qui essaye de l'installer et puis moi, je vais continuer à Super, raconter. merci Il beaucoup. Ouais. n'y a pas de souci. Donc, alors, on en était dans comment rebondir. C'est vrai que ma vie d'avant et après l'astomie a été radicale. J'ai plus eu de douleur, j'avais plus l'angoisse de devoir courir aux toilettes, je pouvais enfin ressortir de chez moi. Donc, c'est vraiment ça qui a fait que bah, j'ai accepté. Comme je l'ai dit, enfin, je ne me sens pas malade. Quand je dis que j'ai une maladie auto-immune, pour moi, c'est juste une étiquette. Et je lis cette étiquette que les médecins m'ont collée. Mais pour moi, j'ai juste une stomie qui m'aide à revivre quasiment normalement. Mais,
Mais c'est tout, voilà. Ça, c'est... Et tout comme l'une des précédentes intervenantes qui expliquait qu'elle n'avait pas eu besoin d'aller voir des groupes de soutien, bah, moi, j'y suis allée un petit peu et finalement, je n'ai pas eu non plus ce besoin-là. Mon entourage a largement suffi et puis j'ai pu continuer en fait ma vie, j'ai pu me marier, j'ai pu avoir un enfant et en fait j'ai pu mener la vie que je voulais avant d'avoir tous ces problèmes tous ces problèmes médicaux. Donc c'est ça qui fait que j'en oublie presque que j'ai une stomie, bien que je la voie tous les jours, j'oublie presque que je suis malade en fait, parce que à côté la vie continue et je suis portée par ce rythme de la vie, quoi. Merci beaucoup, Elodie. Les internautes apprécient qu'on soit passé dans la table ronde. Ce sont les personnes stomisées qui parlent parce qu'ils avaient besoin de cet échange, ce que nous comprenons complètement. Alors, eh bien, on va aller à Québec parce que Camille, il va y avoir une résonance dans vos parcours à toutes les deux. Oui, quand même un petit peu. Bon, moi, j'ai pas d'enfant. Mais comme j'ai dit tantôt, c'est ça, l'astomie m'a permis de retrouver une vie que j'avais plus. Puis de mon côté aussi, ça a été simple. Pas tout à fait. Après ma sortie d'hôpital, bon, mon cas est un peu particulier parce que mes chirurgies ont eu lieu pendant les grosses vagues de COVID. Donc, Élodie, quand tu as mentionné que ton conjoint était avec toi à l'hôpital, j'en ai eu les larmes aux yeux parce que moi, j'ai pas eu cette chance. J'ai été hospitalisée 12 jours après ma seconde chirurgie parce qu'il était trop tard au moment où ils m'ont opérée à cause de la COVID, et j'ai eu beaucoup de complications, d'infections et tout ça. Puis quand j'en suis sortie, j'ai eu la grande chance d'avoir accès à une thérapie de groupe à mon hôpital. C'était un projet pilote. On était la première cohorte. Mon infirmière m'a mis d'urgence sur ce groupe-là parce que j'allais pas très bien d'un point de vue santé mentale, pas à cause de l'astonie du tout, mais à cause de mon Crohn et des 12 ans de maladie que je traînais derrière ma ceinture. Et rapidement après ça, parce que l'astomie m'a permis d'être en santé, ben mon moral a repris le dessus. Puis quand j'ai retrouvé la force de reprendre une vie normale, ben je me suis dit qu'il fallait que j'aie une vie plus que normale. Puis, ben, j'ai voulu justement contribuer moi aussi à briser le sentiment d'isolement que beaucoup de personnes qui vivent avec une maladie chronique de l'intestin comme le Crohn ou la colite avons, parce qu'on sait que ben, les complications liées à ces maladies-là, ce ne sont pas des sujets qu'on aborde autour de la table à manger. On aborde difficilement aussi au bureau, quoique dans mon cas, j'ai toujours été à l'aise de le faire avec mes collègues de travail qui ont toujours été des amis dans mon cas. Mais c'est là qu'est venue l'idée, en fait, de lancer un balado, donc un podcast, qui n'était pas disponible en français, du moins pas au Québec, pas dans ma langue, mon jargon, avec des gens qui avaient ma réalité de tous les jours, avec l'accès plus ou moins évident qu'on a aux soins, je dirais, holistiques. Donc, on a, oui, accès à un médecin de famille, mais quand je discute avec des étudiants français dans différents milieux de la santé autres que la médecine directe, ben, je vois que, par exemple, vous avez plus accès à des soins d'appoint comme la physiothérapie, la kiné, tout ça, c'est très, très difficile d'accès chez nous, c'est tout au privé. Puis je me suis dit, ben, si moi j'ai la chance d'avoir un bon réseau qui m'appuie, ben, je devrais pouvoir faire profiter de ce réseau-là au plus de gens possible. Alors est né le balado, deuxième porte à gauche, qui est le balado des gens qui savent en tout temps où se trouvent les toilettes. Ben, c'est ça, un épisode sur deux, qui est un projet bénévole de mon côté auquel je consacre beaucoup de temps, mais le but, c'est d'avoir à la fois des discussions, avec des gens, comme moi ou qui ont des parcours très différents, qui vivent avec une maladie inflammatoire de l'intestin pour parler de leur parcours, puis un second épisode où je reçois des professionnels. Donc, à date, on a eu chirurgien pour parler des différents types de chirurgie liées à la maladie, dont l'astomie, médecins, chercheurs, infirmières, psychologues aussi, pour parler de l'impact de la maladie sur le parcours d'un patient. Puis, ben, c'est cool parce que avec le temps, ben, le balado parle aussi d'estomie. Au début, j'avais peur que ça fasse peur, parce que c'est souvent un sujet qui fait peur quand on a un diagnostic
de MII ou de MICI, mais au final, c'est très bien reçu. Puis le tout est dans un ton très bienveillant, léger et tout. Donc, je l'ai parti en me disant que si je rejoignais 20 personnes, puis que je pouvais en aider une, ce serait ça. Puis finalement, on a des centaines de gens qui sont abonnés, qui suivent le balado. Puis c'est surtout les messages positifs de personnes qui se sont senties moins seules, comprises, qui ont pu apprendre aussi beaucoup sur leurs conditions de santé. Ben, tout ça donne un peu le petit coup de pouce pour poursuivre le tout. Puis je pense que c'est Chantal, la première, qui avait parlé que la vision des enfants de la stomie est particulière. Mais avant même le balado, moi, le premier réflexe que j'ai eu, c'était de me demander comment est-ce qu'on va parler. Ah, là, je vois qu'on voit une photo de bedaine à Oui. l'écran. Je vais prendre une pause pour qu'on la regarde tous ensemble. Je sais pas si les gens la voient, mais elle est magnifique. Ici. Yes. Ben, c'est un peu ça. Moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai toutes mes bonnes amies en ont. Puis, je pense que la première question que je m'étais posée, c'est comment est-ce qu'on aborde ça? Puis, est venu un moment où je lisais une histoire, à mon neveu qui avait 2 ans à l'époque. Puis, j'ai fait le plus gros gaz, le plus gros pet bruyant de stomie de toute l'histoire de l'humanité. Et là, mon sac s'est gonflé. Puis tout à coup, la phrase est sortie toute seule. J'ai dit Zach, qui est le nom de mon sac. J'ai dit Zach, il faut que tu arrêtes de faire des pets parce que sinon, on va s'envoler. Et là, mon neveu a cru que je disais ça pour vrai parce qu'ils n'ont pas le sens du sarcasme et tout. De là est née un peu l'histoire de mon sac a des super pouvoirs. Puis lui, jusqu'à tout récemment, il a maintenant 6 ans, c'est comme ça qu'il le voit. Si on faisait un concours de push-up puis que je gagnais, il dit, ben, t'as de l'aide, toi, c'est pas juste Zach qui t'aide, t'as ton sac qui t'aide à flotter dans la piscine, c'est pour ça que tu nages plus vite que moi. Il y a des super pouvoirs comme ça dans leur tête. Puis j'ai donc illustré un petit livre pour enfants qui m'a beaucoup aidée, puis que j'ai pu aussi distribuer à des gens autour de moi, des femmes que je rencontrais sur les groupes de discussion qui avaient des jeunes enfants dans leur entourage, puis ça leur a permis d'ouvrir une discussion comme ça avec le petit lait. Puis récemment, ben il y a un distributeur du Québec de produits de stomie qui a accepté gentiment de le distribuer, de l'offrir dans ses boutiques sur son site. Donc il y a de plus en plus d'adultes dans notre coin qui peuvent aussi avoir cet outil-là en main aux besoins. C'est un peu ça mon parcours avec la maladie. Ça n'a pas toujours été facile, mais la stomie, honnêtement, je l'ai toujours vue comme un outil, un peu comme Elodie disait, et c'est ça qui me permet d'être en vie aujourd'hui. Puis c'est ça qui m'a permis d'avoir la vie que j'ai depuis 3 ans qui dépasse toutes mes attentes. Si je retrouve une vie de couple que j'avais plus nécessairement avant, je voyage, je peux manger. Je sais qu'on a des restrictions avec la stomie, mais moi j'en ai beaucoup moins avec que sans. Sans stomie, je mangeais presque pas. Fait que dans mon cas, c'est ça. Ça a été un beau changement. Puis tout le monde oublie que j'en ai une. Mon père l'autre jour m'a accusé d'avoir fait le pet qui sentait très mauvais à la table de cuisine. Je l'ai regardé, je dis, pour vrai, papa, là, moi, je choisis la personne qui a plus de gaz, qui passe, là, vraiment. Fait que c'est ça. En fait, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, ah ben ouais, OK, vraiment, ça paraît pas que je suis malade. On oublie que je le suis au quotidien, puis je pensais jamais pouvoir dire ça dans ma vie. Je Voilà. voudrais juste ajouter un mot à ce qu'il dit, Camille. Bravo, Camille. Ce que tu dis, c'est vrai. Moi, je dis toujours aux personnes stomisées, aux personnes qui refusent une poche, qui refusent la chirurgie, que c'est la stomie, c'est un soulagement. C'est une solution pour vivre une vie meilleure, plus ou moins meilleure. Parce que sans stomie, avant, c'est pas après. Avec la stomie, on mène une vie plus meilleure qu'avant. Moi, ma Ah, stomie, tiens. je l'appelle mon amie, la stomie. C'est une amie, je prends soin d'elle, je la nettoie, je la protège et je l'aime parce qu'elle Ouais. m'a sauvé ma vie. Ben, je vois dans les commentaires, je vais peut-être répondre de vive voix. Votre nom, je ne sais pas comment le prononcer, Guilette, je crois. On me dit que je suis jeune. Oui, j'ai 34 ans. On va voir à 70 ans, c'est moins le fun. Probablement, mais je vais vous dire que moi, il y a 3 ans, j'ai demandé à mon gastro-entérologue si ça valait la peine que je me mette de l'argent de côté pour ma retraite parce que je ne croyais pas me rendre là. Alors, si à 70 ans, je me rends à ma retraite puis que j'ai de la difficulté avec ma poche, je vais la trouver moins le fun, la poche, mais elle va m'avoir donné 35 ans de plus. J'essaie de le voir comme ça. Je suis consciente, j'entends toutes les histoires qui sont moins faciles que la mienne. J'ai eu de la difficulté aussi avec mes appareillages au début. Dans mon cas, c'était une question de survie. Je me serais pas rendue là. Sans la chirurgie, j'aurais pas terminé l'année. Fait que j'essaie de le voir d'une belle façon.
Alors, Parfait. cognac G, j'y ai peut-être quelques petits commentaires. Donc, merci Camille pour le témoignage et pour avoir répondu justement à des commentaires. Parce qu'il y en a d'autres, hein, il y en a qui disent merci beaucoup. Donc, Elodie aussi, j'ai bien accepté ma stomie, j'ai accepté mon corps. Il y a une phrase qui m'a bien touché aussi, c'est que les aidants jouent un rôle essentiel dans le parcours de vie et des soins. Ça, c'est aussi, c'est important. Puisque ça fait écho à une autre remarque qui est, on nous parle des soins de support, mais c'est souvent un moment où on est très fatigué, on ne peut pas y aller. Et quand on va un peu mieux et qu'on veut y aller, ben on ne peut plus y aller parce que c'est fini. C'est vrai que les soins de support, ils sont souvent proposés pendant les soins et un an après les traitements actifs. Mais après, c'est beaucoup plus compliqué où du coup, ça sera des soins de support qui seront à votre charge. Donc, on ne peut pas les considérer tout à fait pareil. L'État français est en train de travailler à tout ça. L'État français est en train de penser à tout ça. J'espère que les autres États canadiens, suisses, allemands et autres le font aussi. Typiquement, c'est ce qu'on essaye de faire, nous, en Europe, à DICE, Digestive Cancers Europe, d'avoir une démocratie sanitaire pour que les gens atteints de maladies chroniques, cancers et autres, puissent profiter des soins de support, pas uniquement pendant la période active, mais pendant la période d'après, parce que c'est toujours étonnant. On dit qu'on est malade pendant la période active, après on est en rémission pour le cancer pendant environ 5 ans, voire plus, mais pendant ces 5 ans, il n'y a quasiment plus rien qui est proposé. Donc il faut être logique avec son propre discours et aller plus loin. Donc on va essayer de. On travaille évidemment là-dessus pour ce qu'on appelle la démocratie en santé. Si je peux me permettre juste deux petits Oui, bien sûr, bien sûr. commentaires, échanges. Effectivement, enfin, je rejoins Camille quand elle dit, effectivement, c'est pour moi, ça a été un peu salvateur, hein, et c'est ce que dit Fatima aussi. Je pense que là aussi, il y a un gros travail, à faire dans la population générale, mais aussi dans la population des soignants, pour justement la représentation de la stomie. Dans notre société, elle a une représentation qui est entre guillemets, alors, c'est peut-être trivial, hein, mais qui n'est pas noble, quoi. C'est quelque chose qui est assez négatif, alors qu'effectivement, ça peut être vraiment salvateur pour certaines. Bon, malheureusement, je suis aussi, enfin, j'ai une sœur qui a une maladie de Crohn et bon, qui a entre guillemets échappé à deux reprises à la stomie. Et pour elle, c'est vraiment la pire des choses, en tout cas au jour d'aujourd'hui. Qui pourrait lui arriver, c'est d'avoir une de se réveiller après une intervention avec une stomie. Et pour le coup, j'ai beaucoup de mal à parler de ça avec elle. Excusez-moi, il y a beaucoup d'émotions, mais j'aimerais qu'elle participe aussi, peut-être, puisqu'elle souffre beaucoup, mais elle veut pas admettre que la chirurgie, peut-être la stomie, peut être salvatrice. Alors, tout à fait, Virginie, on comprend tout à fait ton émotion. D'ailleurs, pour ceux qui étaient avec nous l'an dernier, le thème de ces journées-là, c'était aspect psychologique de personnes stomisées, et c'est très important. Et je vois que Jacques, à côté de moi, est en train de répondre justement en disant que ça peut être salvateur parce que ben, Jacques, il a stomisé depuis longtemps, il prendra peut-être la parole après, là, il est en train d'écrire. Ce que je voulais vous dire, c'est que justement, ça peut être complètement fallacieux. Il y a des gens qui l'ont très jeune, et l'avoir très jeune, ça veut dire vivre sa vie avec pour beaucoup de personnes, particulièrement dans les maladies chroniques. Et il y a des personnes qui sont très efficaces sur les réseaux sociaux, qui donnent ce goût, c'est cette volonté où on se dit, mais finalement, quand tu regardes ces personnes, je pense à deux jeunes filles en particulier qui ont une petite trentaine d'années et qui vont la voir à vie, quand on voit la pêche qu'elles ont, elles font largement plus de choses que moi. Quand j'avais cette stomie temporaire. Donc, je vous encourage vraiment à prendre ça comme une solution et non pas comme un fardeau. Et je vais essayer de mettre dans le chat, si j'arrive à retrouver l'adresse, dans mon réseau cancer colorectal, on avait tourné 17 petites vidéos l'an dernier avec surtout des stomisés, pas que cancer, d'ailleurs des MIC-KI aussi, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Et ces 17 petites vidéos montraient tous les aspects d'une vie avec une stomie, les aspects positifs, les aspects négatifs, les aspects psychologiques. Et franchement, on a eu un bon retour sur cette vidéo, donc je vais me permettre de le mettre en lien. Oui, merci beaucoup pour le témoignage. Virginie, tous les replays des éditions sont accessibles sur la page dédiée, comme celui-là aussi. Donc, ça peut être une première approche. Aussi, Puis, oui. on Merci. restera en contact toutes les deux de toute façon. Et si on découvrait,
l'histoire de Corinne, parce que là aussi, il y a des petits trucs, pour rebondir, pour voilà. Après, on donnera la parole à Fatima parce que c'est important. Jacques, tu voudras prendre, parce que Jacques, c'est un magnifique exemple de comment on peut accepter d'être stomisé, et voilà. Je n'en dis pas plus. Corinne, à toi. On va essayer de rester un petit peu dans le cadre horaire. Je suis désolée, Corinne, Fatima, mais il y a eu de nombreux échanges. Voilà. Allez, Corinne. Merci. Bah, tu me fais signe, hein, tu lèves la main quand je m'arrête parce que je peux en parler pendant 5 heures. Te mets la parole. Je suis passionnée par le sujet, étant donné que quand j'ai eu une stomie, c'est suite au deuxième cancer gynécologique que j'ai rencontré. Donc pour moi, en fait, souvent j'ai associé stomie à féminité aussi, du fait que ça soit lié à un cancer gynécologique. Donc c'est vrai que j'avais une petite obsession aussi sur mon corps et sur la féminité suite à la stomie. Comme je disais tout à l'heure, en petite intro, j'ai eu une remise en continuité. Donc, c'était plusieurs mois où j'ai eu cette stomie. Et donc, malgré le fait que je ne savais pas ce que c'était et que je l'ai découvert au réveil après 2 jours en réa, je n'ai pas très bien compris et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc horrible? C'est quoi cette poche? Et ben, en fin de compte, j'avais cru comprendre que c'était une poche urinaire. Et donc, je me suis dit, bon, ben, c'est pas grave, ça va partir bientôt. Et finalement, quand je suis remontée dans ma chambre, bon, j'ai découvert autre chose. Donc, je suis passée d'un extrême à l'autre, on va dire. Un extrême à l'autre, pourquoi? Parce que j'étais très en colère. Je suis passée par 1000 ou 2000 émotions, je ne sais plus les compter. Beaucoup de colère, beaucoup de colère contre le chirurgien, contre mon corps, contre le cancer, contre pourquoi c'est revenu. Enfin, je posais milliards de questions. Heureusement aussi, j'avais un accompagnement au niveau psychologique. J'ai eu aussi du yoga du rire. Et donc, bon, tout ça m'a aidé, mais je me demandais comment j'allais faire parce que je ne pouvais pas toucher la stomie, je ne pouvais pas nettoyer, enlever les poches, nettoyer, sinon j'avais envie de vomir. Bon, après, c'était peut-être post-opératoire parce que j'ai eu 3 cicatrices, j'ai eu une opération de 6 heures, donc les résultats étaient un petit peu lourds. Donc, peut-être que c'était ça, je ne sais pas, je n'aurai jamais la réponse. Mais quand je voyais, j'ai eu la chance d'avoir des infirmières à domicile. Donc à chaque fois qu'elles s'en occupaient, je tournais la tête parce que ça me levait le cœur et mon ventre était gonflé. J'avais plein de cicatrices, j'avais des douleurs. Tout. Donc j'étais dégoûtée de mon corps en fait. Je n'étais plus devenue une femme, j'étais devenue bah, un bout de viande opérée quoi. Donc c'était vraiment quelque chose de très lourd pour moi à vivre. Et en fait, j'ai eu aussi la chance de rentrer dans Patients en réseau et d'être accompagnée donc par une association de patients par le biais de mon cancer gynécologique. Mais en fait, il n'y avait pas que ça, il y avait un groupe de parole dans ma vie. Et aussi, ce qui m'a vraiment fait modifier ma manière de voir les choses et de passer d'un extrême à l'autre, ça a été. Ça, c'est quelque chose qui me fait toujours rigoler, j'y pense souvent. Une de mes infirmières, celle avec qui, bizarrement, je m'entendais moins, qui est venue me voir un matin et elle a regardé la stomie, elle était là. Mais Corinne, t'as vu ta. J'ai dit non, je peux pas la regarder, arrête de me poser toujours la question, tu le sais. Et elle m'a dit, mais Corinne, ta stomie est tellement belle qu'on dirait une rose. Et là, il y a eu une coupure pendant plusieurs minutes, je ne savais plus quoi parler. Alors, une rose, pourquoi? Je l'avais expliqué aussi dans un autre webinaire, c'est qu'en fait, je crée moi-même beaucoup de choses, j'aime la créativité, et entre autres, des produits pour me laver, pour manger, etc. Et donc, je crée des savons en forme de rose, parce que je suis obsédée par les fleurs et les plantes, j'adore ça, j'adore le vivant de manière générale. Et. Donc, l'infirmière, quand elles arrivaient, les 3 qui venaient, elles venaient, elles se lavaient les mains et je leur disais, sers-toi du savon, s'il te plaît, tu pars avec, je te le donne et tout. Et quand elle l'a vu, elle l'a ramené, elle a dit, regarde Corinne, c'est exactement pareil. Et donc, elle a fait une photo, elle m'a dit, si tu veux, je te la montre. J'ai dit, je ne peux pas pour l'instant. Et puis, pourquoi tu me dis ça? Tu veux me remonter le moral, mais tu n'y arrives pas. Donc, j'étais un petit peu aussi énervée. Et le lendemain, je me suis excusée
Je lui ai dit pourquoi je t'ai dit ça, j'étais trop en colère, j'arrivais pas à l'accepter. Mais en fait, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que tu mettes en avant ça et que je veux bien voir la photo. Et quand je l'ai vu, j'en ai tout simplement pourquoi? Parce que bon bah c'était dur pour moi de le voir, mais je me suis dit mais c'est exactement pareil que les savons que je fais et je trouvais ça magnifique. Alors j'ai commencé à l'accepter. J'ai commencé à lui donner un petit nom, donc c'est ma copine, elle s'appelle ma copine. J'ai commencé quand j'ai eu après la remise en continuité, mais entre les deux, on va dire, j'ai commencé à vraiment m'en occuper, à vouloir la laver et tout, et me dire finalement je serais capable de rester avec. Après, j'ai été convoquée par mon chirurgien, Gustave Roussy, qui m'a dit, bon, Corinne, ça y est, allez hop, on va refaire une remise en continuité. Mais qu'est-ce que c'est? Je ne comprenais rien du tout de ce qui se passait. Et je ne savais pas non plus les conséquences et les suites. Ça, c'est un autre sujet, hein, Myriam. On pourrait monter. Alors, on préparait un rendez-vous sur la remise en continuité, parce que là, c'est un sujet aussi extrêmement intéressant, puisqu'on n'en parle plus. Hein. Allez, tu as été soignée, allez, bye bye, c'est fini. Non, ce n'est pas ça. Donc, j'ai vraiment travaillé, ça m'a donné du tonus pour chercher des solutions, pour améliorer ma qualité de vie, pour améliorer ma féminité. Donc, j'ai travaillé sur comment améliorer mes vêtements. Tout simplement, puisque là, même pendant la stomie et après la stomie, mon ventre était quand même très, très différent. Maintenant, il n'est plus je n'ai plus de taille fine. Je ne fais plus du 38. Donc, il a fallu que j'accepte aussi ça et que je me dise, c'est pas parce que tu as maintenant, tu es passé du 38 au 44 que tu n'es plus féminine, tu n'es plus une femme. Il faut que tu acceptes ton corps. Donc, j'ai travaillé tout ça. J'ai travaillé avec ma psychologue aussi, oui, d'accord, avec l'association de patients. Et je me suis dit, bon, tu vas pas la garder, donc qu'est-ce que tu vas faire? Bah, j'ai travaillé suivi aussi par un nutritionniste, ce qui est pour moi important pour les problématiques pendant l'ostomie et après, problématiques alimentaires. Qui viennent souvent, je ne mange plus la même chose, comment le corps réagit, donc les diarrhées inopinées, les constipations, les envies de vomir, etc., etc. Au début, j'associais ça à ça va pas, t'es pas bien au niveau psychique. Maintenant, en fait, c'était pas ça, et psychologique, et c'était pas du tout ça. En fait, c'était mon corps qui avait du mal à comprendre qu'en fait, les intestins avaient été remis en place, mais pas à la même place, et qu'ils avaient été coupés et remis dans un désordre. Et après, je me suis dit, bah écoute, pendant au moment où tu as l'ostomie, tu peux te sortir avec des poches, comme ça, si t'arrives un problème, parce que ça m'est déjà arrivé que la poche se pète et que tu as des selles qui sortent, super. Donc, il vaut mieux. Et donc, ça m'a permis de mieux supporter les choses, de lui donner un nom. Et après la remise en continuité, bah, je lui faisais des câlins. Donc je mettais des crèmes pour hydrater et pour diminuer la cicatrice qui est maintenant magnifique. Et je me suis dit, ben, si par exemple en été, je lève le bras et puis on voit soit la poche, soit la remise en continuité, ben, moi en fait, je ne suis pas du tout gênée pour ça parce que mon corps, il a changé, mais je le trouve beau et ça m'a aidée aussi à avancer et à passer. Tourner la page, entre guillemets, du cancer. Et donc, je me suis dit, bah, c'est un très bon moyen en tant que femme de s'occuper de son corps, d'être à l'aise avec son corps, de l'accepter tel qu'il est. Et puis aussi, pour finir, parce que j'essaie d'aller vite, pour finir, pour dire aussi que c'est très important aussi d'en parler. Et je suis aussi très fière d'oser en parler. Je n'ai pas de problème non plus, Camille m'a fait rire avec l'histoire des proutes. Ah là, c'est aussi un truc que je peux évoquer. Et c'est vrai que je pense que le fait d'enlever ce tabou et les choses qui sont un petit peu gênantes pour certaines personnes, eh ben nous, ça nous aide. Je peux en parler aussi dans l'association de patients, mais j'ai aussi participé, alors là, je fais un peu de frime, aux 15, je crois, vidéos qu'on a faites et qui sont disponibles sur YouTube. Donc, je suis très fière de dire, voilà, j'ose en parler, je n'ai pas peur de ça. Mon corps a changé, ok, mais je suis toujours une femme et j'aimerais continuer en tant que patiente partenaire aussi pouvoir aider des personnes et de me dire, je ne suis pas seule avec l'ostomie. Et si vous avez des problèmes et si vous avez trouvé des solutions, bah, écoutez, ce serait super de partager avec nous. J'ai essayé d'aller vite, mais en tout cas, merci beaucoup de votre présence et vraiment, je partage tout ce que vous avez dit. Toutes les personnes participantes sont vraiment extra. Merci beaucoup. Merci à toi. Maria, est-ce que on peut décaler un petit peu vers un petit peu?
On peut déborder. Merci beaucoup. Parce qu'il va y avoir une résonance. On a plusieurs pays autour de cette table et on a en particulier le Maroc. Et vous savez que chaque pays a ses coutumes, a sa culture, a son approche. Donc, Fatima, Oui, si tu veux justement aborder voilà, cet aspect culturel, voire religieux, parce que là, nous sommes des femmes, mais voilà, la parole est à toi. ben, je suis ravie de partager avec vous un sujet qui est très, très important, celui des personnes stomisées, en particulier les femmes stomisées. Donc, la réalité de vivre avec une stomie est souvent marqué par le silence. C'est un sujet vraiment tabou, on n'en parle pas. Après une chirurgie de stomie, de nombreuses femmes éprouvent des difficultés à accepter leur nouveau corps et leur nouvelle vie. Je l'ai dit tout à l'heure, moi, je haïssais au début mon corps. Je ne voulais même pas me regarder dans le miroir et partager ma vie avec mon conjoint. Et vous savez, une femme mariée, c'est un peu difficile, trop difficile. Donc, en tant que femme stomisée depuis 2018, je suis pleinement consciente des défis et des obstacles auxquels nous sommes confrontés au quotidien. Patiente et militante depuis 7 ans, j'anime des groupes de parole et des ateliers pour les personnes stomisées. Les femmes stomisées en particulier ressentent une profonde haine pour leur corps. Pourquoi cette haine? Pourquoi ce refus? Parce qu'ils ne peuvent. Et ça s'explique par des peurs spécifiques. Dans certaines cultures, comme notre culture par exemple marocaine, la femme stomisée, si elle est mariée, elle craint que son mari l'abandonne ou se remarie. C'est ce qui est le cas pour plusieurs femmes. Moi, j'ai abordé ce sujet avec plusieurs femmes qui leur mari les ont abandonnés carrément ou se sont remariés. Et ça, c'est un autre problème. Ou craint l'éloignement de ses enfants, amis, proches ou carrément la stigmatisation, car elle redoute de ne plus pouvoir remplir sa responsabilité en tant qu'épouse, ainsi de ne plus assumer des devoirs domestiques comme s'occuper des enfants et entretenir la maison. Dans notre culture, la femme est non seulement responsable des tâches ménagères et de l'éducation des enfants, mais elle peut aussi être amenée à travailler à l'extérieur. Elle rentre à 18 h du soir ou à 19 h du soir. Elle doit préparer le dîner. Elle doit préparer le repas de lendemain, s'occuper des enfants, des tâches ménagères et repartir le lendemain à 6 h du matin pour travailler. Si la femme stomisée n'est pas mariée, elle redoute la difficulté de trouver un partenaire compréhensif qui va comprendre sa situation. Pour de nombreuses femmes, la stomie peut être perçue comme une perte de féminité, ce qui peut affecter leur estime de soi et confiance en soi. Dans notre culture musulmane, par exemple, et probablement dans d'autres cultures, la féminité est souvent liée à la capacité de procréer. Après une chirurgie de stomie, une femme peut éprouver une profonde anxiété et une peur face aux attentes sociales et familiales. Elle craint le jugement de l'exclusion en raison de son incapacité à avoir des enfants, ce qui accentue son sentiment de perte et de dévalorisation. Dans certaines cultures, le rôle traditionnel de la femme est fortement axé sur la maternité et la féminité. C'est rare qu'on parle des femmes stomisées qui demeurent souvent invisibles dans notre société. Ils sont vraiment, c'est un sujet invisible. On n'en parle pas. Cette invisibilité entraîne une méconnaissance des réalités et des défis auxquels elles font face. Je pense qu'il est essentiel, très essentiel, de présenter des modèles positifs comme Corinne, comme Elodie, comme des modèles positifs dans les médias, au sein des associations, pour briser le tabou entourant la stomie. Cela aidera les femmes stomisées à ne pas se sentir isolées ou marginalisées. Ça, en général, c'est l'aspect culturel que notre tradition marocaine et musulmane et africaine, et je ne sais pas, c'est, je pense, probablement d'autres. Dans d'autres cultures, ils vivent la même chose. En ce qui concerne l'aspect religieux, dans certaines doctrines religieuses, les personnes malades ou handicapées reçoivent souvent un soutien de leur communauté. Mais en raison du caractère tabou de la stomie, les femmes stomisées en général peuvent se retrouver exclues et marginalisées, manquant ainsi du soutien et de l'acceptation dont ils ont besoin. Certaines même expriment avoir surmonté la maladie et leur stomie,
mais leur véritable douleur réside dans le sentiment de rejet et de l'abandon. En islam, par exemple, et probablement dans d'autres religions, la pureté rituelle est essentielle pour la prière et le jeûne. Une femme sodomisée peut jeûner sans problème, mais les prières posent des défis spécifiques. En raison de l'absence du contrôle sur les selles, elles doivent régulièrement vérifier la propreté de leurs poches pour chaque prière. Pendant le ramadan, de nombreuses femmes chez nous préfèrent prier à la mosquée, mais les préoccupations concernant les fuites et les gaz peuvent les amener à renoncer à cette pratique et à l'accès à ces espaces religieux. Dans certaines sociétés, la sodomie est mal connue, voire considérée comme un sujet tabou, comme j'ai dit tout à l'heure. Ainsi, les femmes sodomisées sont souvent confrontées à des préjugés et à une incompréhension qui aggrave les défis émotionnels et psychologiques qu'ils doivent surmonter. Le fait d'avoir une sodomie peut engendrer chez elles un soutien de gêne et de honte, en particulier lorsque la sodomie est visible. Parce que des fois, on a cette sodomie qui est visible à cause des gaz, à cause surtout des gaz. Comme quoi, l'alimentation, comme a dit Corinne, elle est très, très importante. Il faut éliminer plusieurs aliments pour ne pas arriver à ce stade de gaz. C'est-à-dire que la personne sodomisée ou toute personne atteinte d'une maladie, elle devient médecin de son propre corps. Donc, ce qui me fait mal, je l'écarte. Ce qui me va, je le mange. Et ça dépend de chaque personne. Le regard des autres, alors, peut affecter leur estime de soi et leur confiance en soi. Une femme sodomisée peut également redouter le rejet dans ses relations amoureuses ou ressentir un isolement social à cause de son apparence physique. Ce sentiment d'exclusion est souvent renforcé par le manque des soins de santé adaptés aux femmes sodomisées, comme l'absence des infirmières stomathérapeutes ou des infirmiers stomathérapeutes, le cas chez nous au Maroc. Parce qu'une personne sodomisée a vraiment besoin d'un soutien. Elle a vraiment besoin de savoir comment faire l'entretien de la sodomie. Elle a besoin d'un soutien avant, durant et après la sodomie. Je termine par un petit mot. Je dirais que ces webinaires offrent une occasion précieuse de sensibiliser les autres aux défis auxquels sont confrontées les personnes sodomisées. La prise de conscience et l'éducation sur les réalités vécues par les femmes sodomisées peuvent aider à changer les perceptions culturelles et réduire la stigmatisation et à promouvoir une plus grande acceptation et compréhension. Je vous remercie. Merci beaucoup, Merci. Fatima. Élodie rend hommage à son mari. Je ne sais pas si elle est encore derrière l'écran, mais bon, voilà. Tu as écrit un très joli mot, Élodie. Ouais, justement, je voudrais juste ajouter un mot. Pas toutes les femmes ont la chance, comme Mélodie. Bravo, Mélodie, d'avoir un conjoint compréhensif qui t'a aidé dans ces moments vraiment douloureux. Mais chez nous, au Maroc, je t'assure que plus de 90% des femmes n'ont pas cette chance. Fatima, Merci beaucoup. ah Non, pardon, Elodie. ça fait écho sur justement l'importance des aidants. Bon, là, la thématique aujourd'hui, c'est les femmes, donc l'aidant, il y a de grandes chances que je sois d'accord, bien qu'il ne faut pas genrer la chose et le couple, forcément un couple hétérosexuel. Mais du coup, l'aidant a toute son importance et le mari, dans ce cas-là, et en particulier, en plus que Elodie nous a parlé du moment où elle était enceinte, c'est vraiment très très important. Il faut jamais oublier les dents, puisqu'il y a une vraie détresse aussi de les dents. Donc, et les dents devraient d'ailleurs pouvoir participer à ces soins de support, à ces aides psychologiques dont il a certainement besoin pour l'accompagnement. Exactement. Il faut être conscient qu'un stomie égale à 50% à peu près de séparation. Et quand ça touche un enfant stomisé, on monte à 70%. Donc, dans le cadre de la maladie de Crohn, très peu de conjoints ou de conjointes restent ensemble. Voilà. Alors, avant que nous clôturions par Maria, par Cyril, ça c'est le côté international pour tous les deux. Jacques, est-ce que tu voudrais un petit peu... Laure, tu as envie de prendre la parole ou c'est comme tu veux? Tu es en mute. Ton micro. Si. Juste 2 secondes, je vais pas répondre parce qu'il y a de très belles choses qui ont été dites.
Par rapport à l'image du corps, effectivement, c'est quelque chose qui est difficile. Moi, je crois que j'ai mis 2 ans pour accepter ce corps transformé. Mon chirurgien m'avait dit, vous verrez, en parlant de l'insomnie, vous verrez, vous en ferez votre meilleure copine. Et j'avais pris un peu pour un fou sur le moment. Mais en fait, c'est lui qui avait raison parce que à partir du moment où j'ai compris que je ne serais pas maître de l'astomie, mais qu'elle aurait toujours le dernier mot, à ce moment-là, j'ai accepté et alors, ça a été super facile. Voilà. Je félicite Elodie pour son témoignage. Je la remercie beaucoup. Je voudrais aussi dire que les groupes de parole sont importants. Moi, j'ai eu mon cancer colorectal il y a presque 10 ans et je viens de quitter le groupe de parole là, pour des raisons de géographie. Mais c'est vraiment important. C'est une nouvelle famille qu'on se crée avec des gens qui, au départ, on ne connaît pas. On parle de choses extrêmement intimes et ça nous rapproche, ça crée un lien très, très fort. Et au début, moi, j'y croyais pas. Je me disais que sans doute jamais j'irais dans un groupe de parole. Et à presque 10 ans de ce groupe de parole, j'ai de la peine à le quitter. Sinon, qu'est-ce que je veux dire? Oui, les soins de support. Alors, on a à Genève des associations qui fonctionnent avec des fonds privés et qui apportent tous ces genres de soins de support que vous avez cités et d'autres et qui permettent, alors on a beaucoup de chance, qui permettent d'y aller même après plusieurs années. Plusieurs années après la chirurgie et les soins sont gratuits parce que ce sont la plupart du temps des professionnels qui ont leur cabinet ou leurs activités à côté. Ils offrent de leur temps aux personnes qui sont atteintes de cancer. En l'occurrence, c'est tous les cancers, mais c'est dédié pour l'instant aux personnes ayant des cancers. Voilà Il a quelques. été dit, pardon. Non, vas-y. Il a été dit dans les questions-réponses, dans certaines villes, vous avez des soins de support qui sont organisés par soit des associations et c'est pour toute personne porteuse d'une maladie chronique. À Lyon, par exemple, ça existe. Donc, je l'ai vu passer en entrefilet dans les questions-réponses. Voilà. Alors, Donc. du côté de Nîmes aussi, dans le Gard, on a à 10 km de Nîmes aussi une association qui s'appelle Rose et Olivier, qui offre aussi des soins de support aux personnes malades ou aux aidants. Et quel que soit le stade de la maladie, tout à l'heure, Jacques et d'autres évoquaient effectivement le fait d'avoir accès à ces soins de support à une période bien définie et qui n'est pas la période la plus opportune. Et là, moi, j'ai rencontré cette association qui a d'ailleurs reçu des fonds, des subventions de l'ARS, hein, c'est un projet donc un de nos cancérologues de l'ICG, de l'Institut de cancéro du Gard, porte, mais ça n'est pas que pour les personnes qui ont un cancer, c'est maladies chroniques, les aidants aussi, hein, à n'importe quelle période, et plusieurs soins. Hein, il y a le yoga, il y a la réflexologie, enfin voilà. Et d'ailleurs, pour le clin d'œil, je participe activement à l'organisation d'Octobre Rose sur ma commune et une partie des dons sera reversée à cette association. Que les personnes puissent continuer à bénéficier de ces soins sans frais supplémentaires parce que souvent le reste à charge n'est pas, enfin voilà, il n'est pas accessible à tout le monde, quoi. Oui, Je pourrais juste en pour donner parler. un petit complément justement sur cette association Rose et Olivier qui est dans le Gard où ils ont deux maisons. Oui, ils ont ouvert une il y a pas très longtemps, une deuxième, oui. Les soins sont gratuits sur Ouais. toute la durée de l'année à partir du C'est moment où vous ça. adhérez à l'association et l'adhésion doit être à 20-25 euros à l'année. C'est ça, Donc, c'est en bas mon 25 revenu. euros, voilà, c'est absolument ridicule Par pour avoir rapport des aux soins. soins de support de qualité C'est et assuré c'est un par des très beau modèle. C'est un professionnels. très très beau modèle et fait par des professionnels, Voilà. pas par des patients ou autre. C'est vraiment un très beau modèle comme on peut en trouver de temps en temps à droite en France, mais c'est la problématique des distances pour accéder à des soins de support C'est de ça. qualité et gratuits. Je voudrais Merci juste beaucoup pour cet échange. un remerciement à Virginie et Véronique d'impliquer les patients comme ça dès le début de la formation des jeunes. Moi, j'ai la chance d'être patiente partenaire depuis 2017 aux hôpitaux universitaires de Genève et on travaille justement, et maintenant c'est quelque chose qui est reconnu au sein de l'institution.
Et de plus en plus de patients partenaires travaillent dans les formations des jeunes médecins, des jeunes infirmières. Et je ne peux que soutenir cela parce que quand on met les deux, les professionnels et les patients dès le début, tout se passe beaucoup mieux après. Tout se passe beaucoup mieux. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Chez nous au Maroc, ça nous manque ça parce que la patiente partenaire n'est pas encore reconnue, si je peux dire ça. Moi, je fais ça toute seule. Je suis une patiente partenaire depuis 2021, c'est ça, la première promotion 2021. Et donc, je fais le travail presque toute seule. C'est la première fois que j'enseigne à des personnes stomisées. J'ai fait un groupe des personnes stomisées à travers le royaume. Donc, il y a des personnes. Moi, j'habite à Casa, donc il y a des personnes qui viennent de Marrakech, d'Agadir, de Jadida, d'autres régions, pour assister à des ateliers pour savoir comment faire l'entretien de la poche, qui est un entretien vraiment spécifique, et pour savoir comment vivre avec la poche, parce qu'il y a des astuces qu'on leur montre pour qu'ils puissent vivre avec dignité, d'autant plus que les poches sont chères chez nous au Maroc et ne sont pas remboursables, à part la CNSS. Mais la plupart des compagnies d'assurance ne remboursent pas les choses, et ça, c'est un autre fardeau pour les personnes stomisées au Maroc. Fatima, juste une question, hein, peut-être elle n'est pas à propos, mais démarcher auprès des écoles justement pour essayer de porter la parole des patients justement dans les écoles, parce que bon, il y a des écoles aussi d'infirmières. Peut-être essayer aussi par entre guillemets de travailler dès le départ avec des jeunes ou des futurs professionnels pour instaurer, essayer de faire changer. On sait bien hein, faire changer les mentalités déjà en France avec la culture qui est aussi différente. Ça a été compliqué de faire entrer les patients. C'est un travail de 20 à 50 années hein, parce qu'effectivement les professionnels de santé n'étaient pas forcément prêts à accepter les patients au sein d'une équipe décisionnaire, encore moins de les faire participer à des décisions médicales et encore moins de les intégrer dans les formations initiales des futurs professionnels. Donc, on a parcouru aussi un chemin et on n'a pas fini. Il y a encore beaucoup de résistance aussi de par certains professionnels de santé. Après, on essaie effectivement de planter un peu nos petites graines et puis ben, ça, l'appui aussi des politiques nous aide aussi, mais c'est effectivement la réunion de toutes ces petites, je dirais, intentions et attentions fait que bah, la société évolue, mais c'est très long de faire évoluer un système de santé, la vision effectivement, bah, ou la représentation bah, du patient dans les soins, dans le système de soins. Mais bravo, en tout cas, c'est même si vous n'avez pas l'impression Ben, de faire avancer beaucoup. Excusez-moi. on a déjà Excusez-moi, essayé juste un mot, on a déjà essayé auprès du excusez-moi Parlement. toutes les deux, Fatima, excusez-moi toutes les deux. On a Maria en Allemagne, elle est obligée de partir dans 10 minutes et elle Ah va, ben, il faut. voilà, elle va faire le mot de clôture. Alors, par contre, c'est extrêmement intéressant vos échanges. Ça pourrait être le thème de l'édition de l'année prochaine, le partenariat patient. Donc on peut y réfléchir aussi. C'est pas une fermeture, au contraire. Mais Maria vient de nous écrire un petit mot et franchement, voilà. J'espère que vous comprendrez. Ou alors après Bien sûr. on pourra continuer un moment. Voilà. Maria, Cyril, tu partages le texte si tu le texte de Maria. Maria. Est-ce que vous m'entendiez bien? Oui. 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 Merci Maria Tu d'avoir l'as donc. le texte, Myriam. Tu peux le partager, s'il te plaît? J'ai un problème de partage depuis tout à l'heure. D'accord. Pas du Maria, tout tu veux connecté. ton texte ou pas? Oui, mais le texte, mais le texte. Oui. Je vais lire. Parce que. Alors, pendant que Myriam cherche le texte, parce que là, Myriam vient de dire que ça pourrait être un sujet pour l'an prochain. Quand moi, je vais dire mon petit mot qui va être très très court de fermeture après, parce que nous aussi au Québec, derrière, on a une réunion derrière. Il y a un formulaire, un sondage qui va s'afficher sur votre écran. Donc, n'hésitez pas à y répondre par rapport à ce que vous avez aimé, pas aimé, etc. Et on vous demande si vous avez des idées de thématiques pour l'an prochain. Et du coup, on clôturera là-dessus. Ça, je ferai pendant que je parlerai. C'est bon, Myriam, tu as pu avoir le texte de. Ça y est, je partage. Ok, super. Voilà, Maria, c'est à toi. Juste un mot à moi.
Pour m'introduire, je suis stomisée moi-même depuis 48 ans maintenant et je suis la vice-présidente de l'Association européenne des stomisés. Nous vous remercions vivement d'avoir invité à nouveau l'EOA à participer à la manifestation Stomisés sans frontières et à prononcer un petit mot de conclusion. C'est avec plaisir que je me suis chargée de cette tâche et que je transmets les meilleures salutations de l'EOA, du comité directeur de l'EOA. Cet événement, Stomisés sans frontières, qui relie des pays et trois continents, est extraordinaire et précieux. En ces temps caractérisés par le repli sur soi et par la division, il est important de dialoguer et de rester en contact, de reconnaître les différences, mais aussi les points communs, d'être prêt à apprendre les uns des autres et de se soutenir mutuellement dans ce qui est nécessaire et requis. Nous sommes tous liés par la stomie, mais aussi par bien d'autres choses. Chaque année, vous parvenez à mettre l'accent sur un nouveau point pour Stomisés sans frontières, à attirer des personnes pour des conférences et à initier un échange fructueux au-delà, de ces grandes distances. Grâce à la technique des vidéoconférences, cela est certes devenu assez facile, mais cela n'arrive pas non plus tout seul. L'année prochaine, l'Organisation internationale des stomisés, l'IOA, définira un nouveau devise officielle pour la Journée mondiale de la stomie, qui peut ensuite servir de fil conducteur non seulement au projet des organisations membres de l'IOA, mais aussi à ceux de tous les membres de l'IOA dans le monde entier. Ce serait merveilleux si ce slogan pouvait également être repris dans le cadre de Stomisés sans frontières. Encore une remarque à propos de l'IOA elle-même. L'année prochaine, le mois de mai, sera celui de la conférence triennale de l'EOA, à laquelle toutes les associations membres de l'EOA et leurs délégués sont invités à Bergen, en Norvège. Nous sommes très heureux de pouvoir enfin nous rencontrer en personne après l'époque Covid. Il y aura des informations et des présentations sur différents thèmes intéressants pour les stomisés. Ces thèmes sont en cours de finalisation. Mais il s'agira également de présenter des activités des associations membres, et d'échanger sur leur expérience entre elles. En outre, des modifications des statuts doivent être adoptées et, enfin et surtout, un nouveau comité directeur doit être élu. Et si, après de nombreuses années d'absence, des délégués des organisations françaises membres de l'EOA pouvaient à nouveau y participer, nous serions très heureux. Mon expérience est la suivante. Rien ne peut remplacer le contact et l'échange personnel qui sont possibles lors d'une telle conférence, notamment en dehors de l'ordre du jour officiel. Pour conclure, j'espère que toutes les informations échangées et les idées collectées aujourd'hui trouveront un terrain fertile et qu'il y aura toujours suffisamment de personnes actives et engagées qui se sentent concernés par le développement futur de nos activités. Merci pour votre engagement et merci pour les témoignages. C'était très émouvant. Merci Maria. Alors, on peut la remercier parce que sa langue natale est l'allemand. Elle s'exprime en anglais
Et là, elle nous le fait en français. Ce que peut-être, personnellement, je ne peux pas le faire. Je serais incapable. Donc, merci beaucoup, Maria. Merci, très Voilà. volontiers. Et merci. Et ça, c'est dans le cadre de la journée mondiale de l'ostomie. Cyril, Oui, tu vas alors. continuer par petits mots. Et Jacques, ben, tu n'auras qu'à clôturer parce que le pont qu'on a lancé en 2021, un soir d'avril 2021, tous les deux, voilà, c'est ça, une quatrième édition. Cyril, à toi la parole. Donc voilà, pendant qu'on conclut et qu'on finit, je vous ai mis donc le sondage qui s'affiche, donc n'hésitez pas à le remplir. Pour les panélistes, c'est pas la peine d'essayer, ça marchera pas pour vous. Donc, je voulais remercier tous les intervenants qui étaient là aujourd'hui pour cette thématique très importante de la vie avec une stomie et au féminin, parce que la vie avec une stomie n'est pas une chose facile et par rapport à l'image de soi, par rapport à la féminité, par rapport à son acceptation de son propre corps, par rapport à l'acceptation de son corps avec son partenaire ou sa partenaire, par rapport au milieu social, au on-dit ou au non-dit, c'est quand même très important et c'est un sujet qu'il faut aborder. C'est surtout un sujet, j'allais dire, qu'il faut sortir de derrière le t-shirt afin que la population sache ce que c'est et que on ne reste pas complètement caché et prostré par rapport à quelque chose qui finalement, à un moment ou un autre, si on a une poche de stomie, si on a une stomie, pardon, pas poche de stomie, une stomie, qu'elle soit digestive ou urinaire d'ailleurs, c'était certainement pour nous sauver la vie. Et même si ça a handicapé notre vie de tous les jours, au final, ça nous a sauvé la vie, ça nous permet de vivre de façon plus facile. Ça reste un handicap, par contre, invisible, et ça, faut pas hésiter à en parler. Des choses sont en train de se faire. On a parlé des pays où c'était difficile de se procurer du matériel, Afrique du Nord, Afrique et autres. Il y a certains pays qui sont en train de travailler dessus. Typiquement en France, l'Unicancer est en train de travailler pour pourquoi pas pouvoir rediffuser des médicaments qui sont en surnuméraire chez des gens. Donc moi je leur dis, si vous le faites pour les médicaments, ça devrait être encore plus simple pour du dispositif médical comme les poches de stomie. Donc ils sont en train de réfléchir à tout ça. Donc je voulais remercier tous les intervenants, ces messages très émouvants. Je voulais remercier ces témoignages de personnes qui malheureusement nous ont quittés. Stomie. Moi, je suis intervenu, vous avez bien vu, dans le cadre de mon réseau cancer colorectal, parce que c'est les gens atteints d'un cancer colorectal qui sont les plus grands porteurs, on va dire les plus grands en nombre, hein, porteurs de stomie. Moi, je n'ai plus de stomie, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et c'est pour ça que je participe et je continuerai à participer, à militer pour tout ça. Et c'est aussi pour la raison pour laquelle je suis au Québec aujourd'hui, puisque dimanche, je fais le lancement avec Jacques à mes côtés d'une course qui aura lieu à Saint-Hyacinthe, justement pour aider les associations de stomiser ici au Québec. Et je suis très fier d'avoir été invité pour lancer cette course. Je vous remercie et je vous dis à l'an prochain pour continuer cette aventure. Et je passe la parole à Jacques. Cyril, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une photo ensemble, si c'est possible? Non? La photo d'écran là? Oui. Ouais, ben on va la faire. De toute manière, c'est enregistré, donc je l'aurai derrière. OK. C'est Bon, bon, Jacques. mesdames, merci de vos témoignages. C'est vraiment votre année. Je pense que vous en avez profité pour parler, pour témoigner, et on a besoin de ces témoignages-là. Fait que moi, ce qui me concerne comme homme, ça fait 54 ans que j'ai une ileostomie. C'est pas vraiment le temps de faire un long témoignage parce que moi puis Cyril, on a un rendez-vous avec un oncologue à côté ici de l'hôpital. Fait qu'on veut terminer le plus rapidement possible, mais je n'ai que des félicitations à vous faire, mesdames, d'oser prendre votre place, d'oser dire qu'est-ce que vous vivez, qu'est-ce que vous ressentez. Et ça peut nous aider, nous les hommes, je dirais moins sensibles des fois que les femmes, mais on a besoin de votre parole, on a besoin de vos témoignages pour faire des ajustements, comme on doit s'adapter avec l'estomie, on doit s'adapter avec vous autres aussi, les femmes. Et je vous remercie de ce progrès. Je suis très fier de faire le pont avec Myriam depuis 4 ans, puis je pense que tous les sujets qu'on aborde font avancer les stomisés et ce n'est pas terminé. Vous allez entendre parler d'autres choses prochainement. Fait que je vous dis merci,
de votre présence. Merci pour Daba. On a fait un peu cette émission ou cette édition-là en son nom à elle. Et je sais qu'il y a peut-être de sa famille qui écoute, mais on vous remercie à tous d'avoir été là pour Daba. Voilà. Merci beaucoup. Cyril, tu es aux manettes cette année. Donc, à toi de clore le. Parce que je ne peux pas le clore étant le clôturer, pardon. Donc, merci beaucoup. On vous remercie. On va arrêter les caméras. Surtout, je vais arrêter l'enregistrement. Et du coup, je ne vais pas clore de suite parce que j'ai besoin d'un certain temps pour que ah tout oui. ça se charge sur le cloud.